changement sociétal. Provoquer le changement sociétal, ça passe par plusieurs aspects, notamment les 17 objectifs du développement durable. Ce n'est pas qu'un affichage, c'est vraiment la concrétisation de nos actions dans les territoires. Nous l'avons vu grâce à la crise sanitaire, que la réponse à la transformation de notre société passera par l'engagement citoyen de nos jeunes pour les préparer à mettre en place des actions en faveur des 17 objectifs du développement durable. Tout ça nécessite, dans un premier temps, de s'inspirer, de comprendre qu'il faut allier développement économique et développement durable. La deuxième chose, c'est de faire comprendre à nous, aux jeunes, que nous sommes la meilleure solution, nous faisons partie de la solution pour proposer des solutions innovantes dans nos territoires. Cet après-midi, vous allez découvrir deux tables rondes, la première sur la transition écologique, la deuxième sur cet engagement sociétal qu'on peut avoir dans les territoires. Je vous souhaite de passer une très très belle après-midi, profitez de cet instant, profitez de nos intervenants, je les remercie tous de faire partie également de la solution et à très vite. Merci. Merci Clara. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans la salle ainsi qu'aux personnes qui nous suivent en live sur les réseaux sociaux. Je suis Maude de la Jeune Chambre économique française et vous êtes en direct du 67e congrès de la Jeune Chambre économique, association reconnue d'utilité publique qui regroupe 2000 citoyens dans toutes les régions de France. Nos missions, agir sur le territoire en portant des actions d'intérêt général et former les jeunes à l'engagement et la citoyenneté. Cet après-midi, nous organisons des tables rondes sur le thème du développement durable et de la transition écologique et de la jeunesse. L'objectif, vous inspirer grâce à des intervenants du monde institutionnel, économique ou encore associatif. Bienvenue à tous dans la salle et vous qui nous suivez en live. Dans cette conférence, le développement durable ne s'écrit pas qu'envers et contre tous. Nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants et je vous laisse commencer cette première table ronde. Merci à tous. Merci Maude. Alors bonjour à tous, bonjour Angers et bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur LinkedIn parce que nous sommes donc, comme l'a dit Maude, en live aussi sur LinkedIn. Alors je voulais commencer par un chiffre, 52%. 52%, c'est le pourcentage de Français qui veulent que leur entreprise s'engage prioritairement sur l'environnement et le climat selon une étude qui a été menée par le MEDEF cette année. Alors, on va voir cet après-midi comment la transition écologique oriente concrètement les décisions stratégiques des entreprises. On va en discuter avec quatre intervenants. Alors, vous en voyez que trois sur scène, mais on a bien un quatrième intervenant. Vous allez voir, il va pas tarder à apparaître. 45 minutes pour aller à l'essentiel, aller vers du concret et comment agir dès demain dans nos entreprises. Et pour ça, question courte, réponse courte. Voilà, pour le décor un peu punchy de cette table ronde qu'on a vraiment voulu travailler comme ça avec mon acolyte, donc que j'ai le plaisir de co-animer avec toi, donc Cédric. Donc Cédric Louisy de la Jeune Chambre économique d'Orléans et administrateur en charge de l'action. Merci Élodie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Élodie Lhermitte de la Jeune Chambre économique de Reims, administratrice... Je peux l'applaudir. Administratrice 2020, déléguée à l'innovation et au réseau, d'être à mes côtés pour échanger avec nos quatre intervenants que j'ai le plaisir de vous présenter. Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique et solidaire. Marc Chevry, directeur de l'économie circulaire à l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Gilles Roulet, directeur régional Pays de la Loire d'Enedis. Et en duplex, Jean Moreau, cofondateur de Phoenix, application anti-gaspi, et également président du mouvement Impact France. Merci à vous, merci à tous les quatre d'avoir répondu présent à cet échange, qu'on le veut interactif, et on prendra quelques questions en salle et sur LinkedIn.
À la Jeune Chambre économique, on se tutoie. N'est-ce pas, Élodie ? C'est ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Alors du coup, permettez-nous, au niveau des intervenants, de vous tutoyer aussi, parce que l'esprit Jeune Chambre va aussi au niveau de cette table ronde. Alors du coup, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Thomas, et notamment sur des mots qu'on entend beaucoup en ce moment, comme bilan carbone, impact carbone. Pourquoi est-ce que ces mots sont particulièrement mis en lumière par le ministère de la Transition écologique ? Merci Élodie, bonjour à toutes et à tous, bonjour Cédric. Je suis très heureux d'être présent parmi vous, hein. Vraiment je suis très admiratif de votre engagement collectif et très heureux d'avoir la possibilité de vous adresser quelques mots en réponse à cette question qui est exacte. C'est vrai que le carbone est beaucoup mis en avant, mais aussi la biodiversité quand même, dans les politiques publiques du ministère de la Transition écologique. Pourtant vous avez, et je le salue, mis ces échanges sous le sceau des ODD, des objectifs de développement durable. Et précisément, ces objectifs de développement durable, ils sont portés aussi par le ministère de la Transition écologique. J'ai le plaisir d'être délégué interministériel au développement durable et de porter la feuille de route de la France, qui nous engage tous, pas seulement les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, dans le chemin de l'agenda 2030. Alors, comment est-ce qu'on articule les deux, le carbone et les ODD ? Mais en fait, au-delà du carbone, c'est bien toute la transition écologique qui est l'élément moteur qui fait qu'on doit équilibrer, rééquilibrer, changer notre modèle économique et social pour intégrer l'écologie, pour intégrer en particulier et en premier lieu les enjeux climatiques. Et les enjeux climatiques, pardonnez-moi, j'ai un petit peu les mêmes problèmes que Romain de voix, mais les enjeux climatiques, il passe d'abord par la concentration en carbone dans l'atmosphère, qui est la première cause, qui est la principale cause du réchauffement. Et donc, agir là-dessus, mettre l'accent là-dessus, eh bien, à travers tous les outils dont disposent les pouvoirs publics, et en mobilisant chacun, c'est vraiment le moteur, le premier moteur du changement de nos modèles économiques. Mais si c'est un moteur, il ne faut absolument pas et à aucun moment perdre de vue ce que sont les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que c'est une transition écologique, mais c'est aussi une adaptation du modèle économique et social. Les objectifs de développement durable, ils portent sur tout ça. Et j'ai coutume de dire que le changement, la transformation de nos modèles est tirée par les enjeux climatiques, parce qu'ils sont les plus mondiaux, les plus visibles, malheureusement, les plus partagés aujourd'hui, même s'il y a encore quelques réfractaires. Mais il faut que ce soit un moteur qui tire le reste. Et le reste, c'est le social, et c'est l'économique, et c'est les ODD. Donc, on le met en avant, comme peut-être parfois on met en avant des slogans et des accroches. Mais croyez-moi, le projet, il est bien global, et on compte bien sur vous, sur nous tous, mais davantage encore, bien entendu, sur ceux qui inventent les modèles économiques de demain pour transformer à la fois notre économie, notre société et notre manière de vivre. Merci pour cette réponse. En matière de levier en faveur de la transition écologique, il y a également l'anti-gaspillage. Et là, je souhaiterais poser la question à Jean Duplex sur ce sujet de l'anti-gaspillage. Donc, vous êtes fondateur de l'application Phoenix. Avez-vous connaissance de pratiques anti-gaspillage chez les particuliers qui pourraient avoir des répercussions dans des environnements professionnels ? Alors, bonjour à tous. Déjà, désolé de ne pas être avec vous. Je comptais être là, et puis mon train a été annulé par la SNCF hier. Donc voilà, petit contretemps. Cela dit, je suis très content d'être à distance. C'est bien, c'est aussi c'est moderne. On a une organisation hybride avec du présentiel et du distanciel. Et pour répondre à la question clairement, donc effectivement, moi aujourd'hui, j'interviens avec deux casquettes. La casquette de cofondateur de Phoenix, qui est une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui donne une seconde vie aux invendus à travers trois solutions. Donc nous, on veut arriver au zéro déchet alimentaire, hein, on veut vider les poubelles. Nos clients, ce sont les industriels agroalimentaires, ce sont des marques comme Danone, ce sont aussi des distributeurs comme Intermarché, Super U, Biocoop, et ainsi de suite. Tous ces gens, ils ont des produits en fin de vie, qui arrivent en fin de parcours, à J-3, J-2, J-1 ou J-0. Ils ont des produits qui ont des erreurs marginales de production,
Et auparavant, ces produits ils étaient jetés, incinérés, et nous, on essaie de les sauver en faisant trois choses. On les revend sur une application mobile à petit prix des consommateurs, donc notamment des étudiants. Comme ça, vous faites un geste pour la planète et un geste pour votre portefeuille. Deuxièmement, on donne aux assos d'aide alimentaire, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, Emmaüs, dans une logique de solidarité auprès des plus démunis. Et puis, dans un troisième temps, on donne ce qui reste à des animaux, donc un centre équestre, une SPA, un parc animalier. Et donc, à la fin de la journée, on a vidé les poubelles. Et ce que vous pouvez faire, vous, donc ça, c'est notre métier, le zéro déchet alimentaire, l'économie circulaire mise en pratique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, c'est ne pas faire vos courses quand vous avez le ventre creux, parce qu'on a toujours tendance à surconsommer. Deuxièmement, vous détendre par rapport aux dates de péremption. Acheter un produit à J-2 ou J-1, ce n'est pas grave. Si vous le mangez rapidement, ça va bien se passer pour vous, il n'y aura pas de problème. Donc, il faut qu'on arrête tous ensemble d'aller au fond des rayons chercher les références les plus longues. Et troisièmement, il faut avoir une hygiène de tri dans son frigo et dans ses placards pour ne pas oublier des produits en date courte au fond du placard ou au fond du frigo et en fait remettre juste au goût du jour ce que faisaient nos grands-parents. On a perdu ce bon sens, mais de retravailler les restes et d'être un peu malin dans la façon dont on cuisine. C'est rien de très innovant, c'est juste une remise au goût du jour de recettes traditionnelles. Et du coup, Jean, dans la question que posait Cédric, est-ce que toi, tu vois des pratiques que nous, on va faire, on va dire, dans notre quotidien, finalement, le citoyen que l'on est va aussi proposer à son employeur de le mettre en place au sein de l'entreprise? Alors ça, c'est sûr que nous, on constate une énorme lame de fond à plusieurs niveaux. Alors sur les talents, donc déjà, il y a beaucoup de changements dans tout ce qui est RSE, développement durable, transition, qui vient, comme on dit en anglais, bottom-up, qui vient de la base. Et donc, notamment de la jeune génération, mais pas seulement maintenant. Et les gens, on sent qu'il y a une pression qui vient des salariés, qui monte sur la direction, et c'est très bien, c'est assez sain. Deuxième chose, on a la deuxième planète qui s'aligne, c'est la bataille la quête de sens des talents. Et de plus en plus de gens, de jeunes, ne souhaitent plus travailler dans des boîtes qui ont des externalités trop négatives et veulent mettre leur contribution... veulent mettre leur énergie et leur talent à contribution d'une entreprise qui a un impact positif. Et donc ça, c'est très favorable à la dynamique de changement, parce que les entreprises, si elles veulent continuer à travailler et continuer à attirer et à retenir les meilleurs talents, vont devoir donner des gages clairs d'engagement et de chiffrer. Et troisième chose, les consommateurs aussi, je pense qu'ont pris conscience que quelque part, la carte bleue est le meilleur bulletin de vote et qu'ils peuvent reprendre la main sur leur consommation, réinverser le rapport de force avec les marques, avec des Yuka, des C'est qui le patron et plein d'autres entreprises comme ça, et qui montrent qu'en fait, c'est à nous de décider ce qu'on veut dans les rayons, c'est à nous de décider ce qui doit être produit et plus produit. Et donc ça, je pense que c'est une tendance très favorable. Et la dernière que je rajouterai, après du coup, les salariés, les talents et les consommateurs, je pense qu'il y a le monde de la finance qui est en train de bouger. L'ADEME nous aide beaucoup, le ministère aussi. Avec la taxonomie verte à Bruxelles, c'est un peu technique, mais en tout cas, ce qui se passe, pour le simplifier, c'est que beaucoup de financeurs, que ce soit des banques, des fonds d'investissement, des family office, veulent, dans la même logique, donner du sens à leur argent, à leur épargne, et que les millions viennent contribuer aussi à faire de la planète un endroit plus fréquentable. Et donc, arrête ou boycotte des financements d'extraction d'hydrocarbures et ce genre de choses. Donc voilà, toutes ces planètes passent à ligne. Et à mon avis, on a un moment très favorable pour catalyser la transition et l'accélérer. Alors, je voyais Thomas qui réagissait quand on parlait de taxonomie verte. je voyais aussi Marc qui voulait réagir. Alors, du coup, je te laisse réagir, Marc. D'abord, bonjour à vous tous et ravi d'avoir entendu un certain nombre de mots-clés, transition, dynamique collective, changement de société, de comportement, de modèle économique. On est vraiment au cœur de la période actuelle. Par rapport à la taxonomie verte, c'est tout simplement faire en sorte que le monde de la finance oriente ses financements non plus vers des activités « entre guillemets » du passé, par exemple, financer l'extraction de pétrole, de gaz, etc., mais oriente de manière plus consciente, plus organisée, son financement vers la transition
et la transition, c'est dans tous les domaines qui viennent d'être évoqués, que ce soit les énergies, que ce soit les modèles de production, donc la façon de produire les produits, que ce soit, je dirais, les comportements qu'on peut avoir. Et quand je dis comportement, ce n'est pas uniquement celui du consommateur, c'est aussi la façon dont les modèles économiques que vous allez porter, que vous allez mettre en œuvre, orientent cette transition. Je pense au réemploi, je pense à la réutilisation, je pense à la réparation, je pense au partage des biens et des services. C'est autant de modèles qui sont, je dirais, à financer. Et c'est pour ça qu'il y a une taxonomie pour orienter ces financements. Thomas, peut-être une réaction ? Oh ben je veux bien, moi j'aime bien parler. Non mais je réagissais en particulier à ce qui était dit sur l'alignement. Effectivement, et je pense d'ailleurs que la crise Covid y contribue, il y a un changement ou une maturation des états d'esprit qui est palpable, qui est perceptible. Et aujourd'hui, les briques, les outils sont à peu près en place. Les outils réglementaires, les outils de financement, les outils comme celui qui vient d'être évoqué avec la taxonomie, c'est-à-dire donner des repères, donner des marqueurs collectifs pour structurer une action qui est celle qui est attendue par beaucoup d'acteurs. Mais il faut qu'il y ait cette régulation. Ce qui manque peut-être encore, ce sur quoi on doit travailler, c'est la question de la circulation des données, parce qu'il faut avoir de la connaissance. C'est hyper complexe, la transition écologique. Hyper complexe. Il y a plein d'effets qui sont parfois ambivalent, on va dans une direction, mais elle n'est pas 100% bonne. Elle a des effets positifs, elle a quelques effets négatifs, donc il faut connaître, il faut éclairer. Je salue le travail en particulier de l'ADEME qui, avec son expertise, éclaire énormément à la fois les débats et les solutions des acteurs, mais c'est aussi une action des entreprises qui sont très engagées, hein. Vraiment, moi je salue cela. Et donc voilà, l'idée que les choses s'alignent me paraît être vraiment une conviction à partager tous ensemble. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. C'est que dans l'alignement, toujours, je pense que ça aussi, c'est très nouveau, mais dans le développement durable, on est passé de 0 à 1, ce qui est déjà très bien dans les années 90-2000, et donc beaucoup d'entreprises ont fait émerger des fondations, des directions RSE, des directions de développement durable. Et c'était un bon premier pas dans la bonne direction. Cela dit, aujourd'hui, pour continuer dans la dynamique de l'alignement, je pense que cette dichotomie qui existe parfois entre un cœur de métier traditionnel qui est plutôt à externalité négative et qui est quelque part compensé par des millions qu'on peut donner à la fondation pour aller reforester l'Amazonie et du coup dormir tranquille, c'est plus tout à fait viable, en tout cas c'est plus suffisant et ça ne dupe plus personne et qu'il faut aller à l'étape d'après qui est que ces sujets-là ne soient plus satellisés dans la direction développement durable annexe ou dans des fondations, mais soient rapatriés au cœur des modèles économiques, au cœur du réacteur, porté par la direction générale et plus par des directeurs de développement durable qui sont parfois moins légitimes en interne que d'autres. Et je pense que c'est ça l'étape d'après, et c'est là aussi que tous les parties prenantes, donc l'ADEME, le ministère de la Transition, et puis les influenceurs comme vous, devons aider les entreprises à faire migrer leur modèle économique. C'est pas simple, parce que ça suppose des vrais changements profonds, mais c'est ça qui fera le vrai changement à grande échelle, qu'on passe de la logique de compensation, main droite, main gauche, à une logique plus alignée, incarnée et portée au plus haut niveau. Alors, j'aimerais poser une question à un acteur économique de premier plan, Enedis, avec un petit jeu de mots. Comment Enedis accompagne ses clients dans une consommation pour une consommation plus éclairée ? Et aussi, finalement... Bravo. Et aussi, finalement, pour répondre à ce que disait Jean, en fait, comment vous, parce que Enedis, vous n'existez pas d'hier, en fait, comment vous avez aussi concouru à transformer votre modèle organisationnel ? Ouais, merci de m'accueillir et de me laisser l'occasion effectivement de témoigner pour Enedis. Enedis, hein, je resitue, on est un opérateur qui porte une mission de service public, donc celle de la distribution d'électricité en France. Donc il y a de grandes chances que tous ceux qui sont dans la salle soient connectés à notre réseau, puisque tout le monde a besoin d'électricité. Et effectivement, les débats actuels sur l'énergie au sens large, et en particulier sur l'électricité, montrent que c'est un sujet important, et c'est un sujet d'ailleurs sur lequel on pourrait passer probablement beaucoup d'heures à échanger sur, et à faire de la pédagogie et de la compréhension de comment ça fonctionne.
Alors, je rejoins, pour abonder dans ce qui a été dit, hein, la nécessité de ne pas faire de l'habillage avec les questions de RSE. Et effectivement, le côté essentiel, c'est bien d'intégrer dans ses fonctionnements, dans son cœur de métier, dans ce qu'on fait au quotidien, des actions dont on pèse, dont on évalue l'impact sur l'environnement et pas que l'environnement. Hein, vous l'avez dit, la RSE, ce n'est pas que l'environnement, c'est la société au sens large, c'est la biodiversité, c'est les aspects sociaux et les aspects économiques. Donc c'est ce qu'on essaye de faire depuis déjà effectivement pas mal de temps à Enedis, en particulier sur le volet que vous évoquiez, comment éclairer les gens et comment faire de la pédagogie. On vient par exemple de doter le système électrique et de le moderniser de manière significative par l'installation de compteurs communicants. C'est un objet qui sert à quoi? Parce que le but, c'est pas de l'installer pour l'installer. Alors certes, il y a une directive européenne qui était à l'origine de tout ça, mais le fond des choses, c'est de permettre à ce que le réseau dispose d'informations, capte les informations, dispose d'éléments et puisse les utiliser, soit pour optimiser son propre fonctionnement et son propre dimensionnement ou les services que l'on rend aux clients, soit pour que les clients eux-mêmes puissent avoir accès à des informations. Et c'est aujourd'hui le cas, à travers les compteurs communicants, chacun peut regarder sa consommation, peut regarder comment il consomme, peut regarder l'impact de ses équipements en veille la nuit, par exemple, peut regarder l'effet de travaux d'isolation qu'il fait sur sa maison, etc. etc. Donc, l'idée de base première, c'est bien d'apporter l'information pour qu'elle puisse être utilisée. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'en occuper. C'est-à-dire que les neurosciences nous enseignent que le cerveau est feignant et que donc par nature, on reste ancré dans ses habitudes et on fait ce qui demande le moindre effort. Donc forcément, si on fait rien et si on regarde pas ces données, la consommation va pas baisser forcément toute seule. Donc il faut s'en occuper, il faut s'y intéresser, mais le premier pas, c'est d'avoir les outils, d'avoir les moyens d'y accéder. Toutes les infos sont accessibles en ligne, beaucoup sont en open data aujourd'hui. J'invite à ceux qui ne le connaîtraient pas, à regarder nos applis, par exemple, qui sont disponibles complètement ouvertes sur les stores des principaux téléphones ou sur Internet. Vous avez énormément de données sur le fonctionnement du système électrique, les moyens de production, consommation, les différentes catégories, tout ça à toute heure du jour de la nuit, etc. etc. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même. Et une petite question, parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai que des questions venant de la salle. J'en profite pour poser une question, peut-être, pour réveiller tout le monde au moment de la sieste. Est-ce que vous pensez qu'on va consommer plus d'électricité, moins ou pareil dans les 20-30 prochaines années? Bon, j'ai rien à vous apprendre, c'est parfait. non, bien sûr, mais c'est question intéressante parce que, évidemment, oui, c'est plus, bien sûr, la réponse c'est plus. Il y a un rapport qui a été sorti cette semaine par RTE, le gestionnaire du réseau de transport, qui montre qu'il prévoit en gros de l'ordre de 35% de plus de consommation d'électricité à horizon 2050. Donc c'est beaucoup plus. Mais on pourrait se dire, c'est un drame, on va produire plus, ça va être polluant, ça va être négatif pour la planète. Mais en réalité, une grande partie vient d'un transfert et d'un transfert de d'autres énergies moins vertueuses vers davantage d'électricité. Donc c'est finalement beaucoup un transfert qui va amener à ce qu'on ait besoin de plus d'électricité. Mais pour une consommation globale d'énergie qui, elle, doit baisser pour la planète, bien sûr. Alors, Gilles vous a posé une question, mais dans ce qu'il a dit aussi, c'est que la notion de mesure, derrière, c'est à nous de savoir où on est pour pouvoir agir. Du coup, je vais reposer aussi, moi aussi, une question à la salle. Qui a téléchargé, donc, comme disait Gilles, les applis, en fait, sur son téléphone ou sur son iPad? Voilà, ça sera déjà une première action que vous pouvez mener. Et dans la même veine, alors évidemment, l'année dernière, ça vous aura pas échappé. On a été un petit peu quand même beaucoup chez nous. On a pour certains passé beaucoup de commandes en ligne. Et donc, qui dit commandes en ligne dit des colis aussi d'expédition. Et là, la question, elle s'adresse plutôt à Marc parce que nos clics, finalement, ont eu un impact économique sur certains modèles économiques et notamment la filière papier. Alors ça, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que clairement, nous, en tant que consommateurs, on est acteurs et les décisions qu'on prend, forcément, ont un impact derrière. Et notamment, alors du coup, Marc, peux-tu nous partager l'impact pour la filière papier? Alors, je vais partager l'impact. Et l'impact déjà du e-commerce et qui multiplie les livraisons avec toutes les ambiguïtés et la régulation qu'on a besoin de mettre en place. Il y a des efforts à faire. Et quand je dis l'impact du e-commerce, c'est que la multiplication des livraisons, et j'entendais avec une certaine angoisse les annonces d'Amazon, alors,
Amazon, mais il y en a d'autres, et indiquant qu'ils allaient livrer 8-10 produits pour que vous puissiez choisir chez vous et retourner les produits, m'angoissait sur le volume de carton, le volume de colis qui allait circuler. Mais si je reviens à la question de départ, le e-commerce, c'est beaucoup de cartons, c'est beaucoup de colis, beaucoup de cartons. La première action et le premier impact, c'est vraiment de l'éco-conception par ces logisticiens. L'éco-conception, ça vise à faire en sorte que le carton soit le plus ajusté possible, le plus petit possible par rapport à son contenant, et de manière à mieux remplir les camions. Donc, on diminue les impacts à la fois sur le carton, sur la production de carton, mais sur la logistique, donc sur les camions. Et ça veut dire diminuer tous les éléments de calage. Donc, c'est encore de l'éco-conception, voire de les substituer par des produits biosourcés. Et donc ça, c'est vraiment le rôle que peut avoir la distribution. Mais cet impact, ça veut dire que derrière, il faut soit réutiliser les cartons, et là, vous imaginez le changement de modèle économique que c'est organiser une logistique inverse pour récupérer les cartons et pouvoir les réutiliser, alors carton ou autre matière, peu importe. Et si nous faisons un bon geste de tri, ça veut dire que ça va nécessiter d'avoir des usines qui permettent de refabriquer du carton. Et ça, c'est quelque chose qui est un changement fondamental de modèle économique aujourd'hui dans cette filière industrielle. Et c'est que nous passons d'une culture de l'écrit et donc du journal, du papier journal, vers une logique du carton. Ce n'est pas les mêmes usines, donc ça veut dire reconvertir des modèles en tant que tels. Donc voilà, au travers de cette illustration, je vous ai déjà indiqué quel peut être le rôle du consommateur. Ne pas forcément toujours demander plus de colis, plus de cartons. C'est son rôle en termes de tri. C'est le rôle des industriels d'éco-concevoir des produits avec le moins d'impact possible, que ce soit au niveau de la production, mais aussi de la distribution. Et c'est bien sûr aussi toute l'industrialisation derrière de la chaîne, si on fait au-delà de la réutilisation du réemploi, du recyclage. Et là, c'est des modèles économiques à changer. Question pour Gilles. En matière de réemploi justement et de revalorisation des installations, est-ce que vous avez quelques exemples chez Enedis de revalorisation finalement de vos installations électriques ? Oui, bien sûr. Alors, on travaille sur tous les flux hein, de déchets pour essayer de réemployer. Donc, les flux classiques, papier, carton, bois, métaux, etc. Même les plastiques, on arrive à réutiliser, à les revaloriser sous forme de composés solides de récupération. Donc, on fait ça avec une entreprise locale et ça nous sert. Ça sert après à du bois de chauffage, à remplacer du bois de chauffage ou des choses comme ça. On recycle aussi tout ce qui est vêtements, nos vêtements de travail, par exemple, souvent avec des entreprises du secteur adapté, hein, pour les réemployer. Donc, soit pour faire des isolants, par exemple, pour les combles des maisons ou pour faire d'autres petits objets à base de tissus, etc., qui peuvent être refabriqués avec. Alors, parmi les choses plus évidentes, hein, on a tous nos déchets électriques, évidemment, hein, tout ce qui peut être de l'ordre des équipements électriques qui sont au rebut, que l'on recycle aussi et que l'on essaye de revaloriser. Il y a d'autres éléments auxquels on peut penser. On utilise des poteaux en béton, par exemple, hein, pour les réseaux électriques aériens. On en dépose plus qu'on en pose, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, puisque on construit quasiment plus de réseaux aériens aujourd'hui. Mais tous ces poteaux béton sont des matériaux qu'on peut réemployer. Donc, on en concasse à peu près 5000 tonnes par an en Pays de la Loire, rien qu'en Pays de la Loire. Et on en fait des matériaux de remblai, on en fait aussi d'autres usages avant de les concasser. Parfois, on travaille avec les fédérations de chasse ou le milieu agricole pour faire des passerelles pour le gibier, par exemple. Ou alors, on fait aussi des récifs coralliens en les immergeant sous l'eau pour constituer des zones de revalorisation de la faune sous-marine. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Hein. Il y a les déblettes tranchées aussi qui peuvent être réutilisées immédiatement. On travaille sur des techniques qui permettent d'éviter d'enlever du matériau et d'en apporter un autre pour faire des tranchées, mais au contraire, réutiliser directement le matériau qu'on a extrait pour remblayer la tranchée, ce qui fait que comme ça, on économise finalement du matériau et de l'énergie pour le produire. Donc voilà, les sujets sont très très nombreux sur ces... Et on voit bien que c'est intégré quelque part, hein, comme on le disait tout à l'heure, complètement à nos modèles d'activité. Ce n'est pas des choses qu'on fait en plus pour s'occuper, c'est bien dans le cœur de nos métiers.
Alors, comme on vous l'a dit au tout début avec Cédric, on est vraiment sur un échange interactif. Alors, ceux qui sont dans la salle devant nous et que vous avez une question, donc vous pouvez vous rapprocher de Maud pour préparer votre question. Alors, Maud, elle est en train de vous faire un signe, donc rapprochez-vous de Maud. En tout cas, on a aussi Clément qui est sur LinkedIn. Et Clément nous a posé une question, donc je vais relayer sa question. Est-ce que changer les règles de financement induites par la PAC ne pourrait pas inciter l'industrie agroalimentaire à évoluer plus rapidement vers un modèle plus vertueux? Alors, je sais que Thomas, quand a vu la question, oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je vois les questions ici. Donc, n'hésitez pas, si vous n'osez pas prendre la parole dans la salle, vous pouvez les poser aussi sur le live LinkedIn. On les verra aussi. Merci pour cette question. La PAC, c'est la politique agricole commune, je le précise à toutes fins utiles. Oui, bien sûr, la politique agricole commune, c'est une politique de financement de l'agriculture et donc c'est un levier qui permet de structurer, de façonner les modèles agricoles. Et la nouvelle PAC qui arrive, alors c'est horriblement complexe la PAC, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais sachez qu'elle va être beaucoup plus éco-conditionnée et que 20 à 30% selon les filières des exploitations agricoles vont devoir modifier leurs pratiques culturales pour garder le niveau d'aide qu'elles avaient dans la PAC actuelle. Donc, la PAC fait ce qui est suggéré dans la question. Pour autant, il y a des débats, parce que, comme c'est un outil très puissant, il y a des paramètres, et les plus engagés considèrent que ces paramètres pourraient être poussés plus loin, et que la PAC pourrait être transformée, ou transformante, encore plus transformante, que ce qui a été décidé au niveau européen et qu'on est en train de décliner au niveau national. Donc, je n'entrerai pas dans le débat de savoir si c'est assez ou pas assez, mais je peux quand même dire que la prochaine PAC n'a jamais été aussi verte dans l'histoire. Et cette tendance est une tendance de fond. Voilà. Est-ce qu'elle pourrait être plus verte? Probablement. Et s'agissant des industries agroalimentaires qui sont en aval dans la chaîne de valeur, elles sont souvent en attente. Vous avez vu l'essor considérable des produits bio, et en réalité, la production nationale n'a pas réussi à suivre aussi vite que la demande. En tout cas, dans les premières années, c'était une croissance à deux chiffres de la demande. Donc, on a importé du bio, notamment des pays de l'Est. Je vous laisse juger si c'est bien ou si c'est mal, mais je voudrais en profiter pour pointer ce que j'évoquais tout à l'heure, mais de façon plus concrète, la complexité des sujets de la transition écologique. Vous achetez des fraises bio, super, mais l'impact carbone de la fraise bio qui est importée d'Espagne et qui a été transportée en camion risque d'être un peu plus élevé que l'impact carbone de la fraise locale que vous achetez en saison. Donc selon la saison, selon qu'elle est bio, pas bio, selon la provenance, selon le mode de transport, ça ne donne pas le même résultat. Et il est vraiment important de se documenter, de se poser les questions jusqu'au bout, de ne pas toujours faire confiance à son intuition. Et pardon si je vous parais un peu polémique, mais on vient d'évoquer la question du e-commerce. Le e-commerce, c'est pareil. Ce n'est pas tout blanc ou tout sombre. Ce n'est pas binaire. Il y a des actes, des achats sur le e-commerce qui sont plus vertueux, si j'ose dire, environnementalement, que de prendre sa voiture et de faire 30 km et d'aller sur un parking. Mais il y a des pratiques de e-commerce qui sont, on en est sûr, totalement déstructurante, typiquement les livraisons dans la journée. Ça détruit l'optimisation logistique, ça fait plus de cartons, plus d'emballage, c'est très mauvais. Mais voyez, il faut entrer dans le détail, se documenter, il y a des études qui sont faites, et le débat public souvent raccourcit les choses et choisit les bons et les méchants, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. La réalité est plus nuancée, et on a vraiment besoin d'affronter ensemble cette complexité. Et donc, le partage de la connaissance est vraiment la clé de la maîtrise de cette transition écologique. Et pour ajouter quelque chose là-dessus, pour aller dans le sens de ce qui est dit, en tant que consommateur, parfois, vous avez l'impression de faire un geste qui est bien pour la planète, avec toutes les plateformes qu'on connaît de réemploi, de seconde main, où on envoie, et parfois, le remède est pire que le mal quand on a l'impression de faire une bonne action en achetant un jean ou une chemise recyclée ou de seconde main en occasion. Et en fait, l'expédition en danger jusqu'à Quimper est pire que l'impact carbone de la destruction du produit sous-jacent. Donc, ce n'est pas pour taper sur des acteurs à la mode du tout, parce que je pense que ce qu'ils font est très bien globalement, mais posez-vous la question à chaque fois de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sauve ce truc-là, ou est-ce que la logistique qui va derrière sera pire que ce que je suis en train de faire comme geste.
Oui, c'est une question de se poser la question, d'être bien informé pour pouvoir agir en, enfin, si on reprend le jeu de mots proposé par Cédric tout à l'heure, agir en consommateur éclairé. Alors Maud, du coup, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a une question ? N'hésitez pas à lever la main. Nos intervenants sont là pour ça. Alors, oui, pour ceux qui nous suivent, il y a une question. Bonjour, Quentin Depas de la Fédération Normandie. Je voulais justement évoquer avec vous cette question de la destruction des invendus. C'est une information qui a été développée par les médias, mais est-ce qu'il y a, il va y avoir des choses de prévues pour éviter ce genre de pratiques qui peuvent justement faire un gaspillage épouvantable. On a entendu parler, par exemple, de carrément de mobilier qui était détruit. Voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose comme ça qui était prévu pour ça. Merci. Alors, pardon, ça doit être le climat en juin. Et par rapport à la question que vous posez, effectivement, il y a déjà des lois récentes qui interdisent la destruction des invendus et qui préconise le don ou le réemploi ou la valorisation. Donc ça, c'est déjà une obligation réglementaire. Nous avons tout un travail. Alors, j'ai pas présenté l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et on est là pour vous accompagner et pour tous ceux qui le souhaitent. Et vous avez un lieu de rencontre qui est la plateforme Agir pour la transition, sur laquelle vous trouverez à la fois notre expertise, vous trouverez des supports de sensibilisation, de communication, et vous trouverez bien sûr aussi la façon d'entrer en contact avec nous pour des soutiens, que ce soit des soutiens d'accompagnement, d'expertise, que ce soit des soutiens sur vos études ou vos aides à la décision et sur, bien sûr, les investissements. Juste pour terminer, sur les invendus, il y a une obligation réglementaire. Parfait. Maintenant, nous devons, et c'est le cœur de nos sujets aujourd'hui, mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, alors, il y a les choses simples, il y a le don, mais lorsque le don s'accompagne d'une défiscalisation de la distribution et des invendus, il n'y a pas vraiment d'incitation à faire moins d'invendus. Or, notre objectif, c'est bien de faire moins d'invendus, avant tout. Donc, c'est bien d'agir à ce niveau-là. Et donc, c'est le sens de nos réflexions et c'est le sens de la réflexion des pouvoirs publics pour avoir des mécanismes d'incitation, notamment au travers des éco-contributions aux éco-organismes, lorsqu'il en existe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faciliter la chaîne de récupération. Lorsqu'il y a don, c'est la chaîne de valorisation et donc c'est l'implication sociale. Et c'est ce qui était évoqué sur l'exemple du gaspillage alimentaire et avec le don, mais c'est à diffuser maintenant vers d'autres éléments. Et c'est aussi faire en sorte que les producteurs y retrouvent leur propre intérêt, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à déclencher le changement, c'est de faire en sorte qu'ils puissent inventer, avec votre aide, des modèles nouveaux qui sont des modèles, alors, terme anglais également, d'upcycling, pour donner de la valeur supplémentaire à ces invendus sans détruire la valeur de la marque et autres. Il y a des tas d'exemples dans le textile où c'est de faire des produits neufs avec des produits de marque, mais justement pour ne pas détruire la marque. Il y a des exemples dans les produits électriques, électroniques, etc. Donc voilà, les invendus, aujourd'hui, l'objectif, il y a une obligation, mais il faut aller plus loin, et aller plus loin, c'est mettre en place toutes les actions pour réduire ces invendus, c'est du gaspillage. Et ensuite, malgré tout, lorsqu'il y a des invendus, c'est de faire en sorte que ça puisse rentrer dans des chaînes de valeur qui alimentent l'activité économique. Mais juste pour apporter un témoignage aussi là-dessus, je pense que la France a quand même un gros temps d'avance au niveau européen. Phoenix, on est dans plusieurs pays et on peut constater et se féliciter que la France ait au moins 5 à 10 ans d'avance sur la régulation des invendus. Il y a depuis 2016, pardon, il y a une loi qui interdit le gaspillage alimentaire dans la distribution de 400 mètres carrés et plus, la loi Garot. C'est un député qui n'est pas très loin de chez vous, à Laval, en Mayenne. Et cette loi, elle est étendue à compter du 1er janvier 2022 au non-alimentaire. Donc, de la même façon qu'on ne peut plus détruire de la nourriture dans les poubelles d'un supermarché, c'est interdit, on ne pourra plus détruire des jouets après Noël, des fournitures scolaires après septembre, du textile, comme cela a été dit, ou des produits d'hygiène. Donc, à partir du 1er janvier 2022, la loi AGEC, anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui a été portée notamment par Brune Poirson, entre en vigueur. Et après, comme cela a été dit, il faut qu'il y ait la loi,
puis il faut qu'il y ait la mise en pratique. Donc il faudrait qu'il y ait une police du gaspillage. Est-ce qu'on en a les moyens et l'énergie? À date, c'est en cours de réflexion et de travail. Effectivement, Jean, tu fais bien de le préciser. Alors, je dirais qu'il y a aussi une question que j'ai envie de vous poser aussi à tous les quatre, parce que tous les quatre, vous êtes ultra fiables dans ce que vous donnez comme information. Il y a aussi Virginie qui a posé une question via LinkedIn et qui fait effectivement qu'en tant que consommateur, là, on a accès à plein d'informations, mais parce qu'on a la chance d'avoir organisé cette table ronde, mais finalement, de chez soi, comment on peut être, où est-ce qu'on peut récupérer des informations fiables pour qu'on puisse à nouveau, par exemple, dans une jeune chambre économique, se dire je vais agir là-dessus. Voilà, alors de façon simple, où va-t-on? Je ne peux pas répondre de manière très globale à tout, parce qu'évidemment, si j'avais la réponse, je pense que je serais le messie. C'est une grosse difficulté dans la période d'avoir accès à, on voit bien tout le débat sur les fake news, d'avoir accès à ce qui est de l'information fiable et ce qui est de l'information plus douteuse. Il y a énormément d'infos dans les réseaux sur intranet ou les réseaux sociaux, et donc forcément que ces nouveaux outils apportent et sont une mine d'informations dans laquelle on peut trouver beaucoup de bonnes choses. Par contre, il faut faire attention, effectivement, à les croiser et à croiser les regards et à aller sur des sites dont on pense qu'ils peuvent avoir une fiabilité. Pour ce qui nous concerne, à Enedis, on est porteur de mission de service public et on a l'avantage de rien vendre. Donc, c'est-à-dire que moi, je cherche pas à développer un business ou à vendre quelque chose. Donc, quand on met des informations, on essaye, nous, de faire en sorte qu'elles soient factuelles et qu'elles éclairent le débat, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, nos sites à nous, il y a un site qui s'appelle data.enedis.fr. Vous allez dessus, vous avez des milliers de jeux de données qui sont en accès open, capables d'être apaisés pour ceux qui veulent les intégrer directement dans des outils. Il y a énormément d'infos sur, par exemple, tout le système électrique, comment il fonctionne, quels sont les moyens de production, les moyens de consommation, ceux qui sont renouvelables, sur quelle plage horaire. Voilà, vous trouvez énormément d'infos sur ces sites-là et vous avez des applis, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, une qui s'appelle le Mix et une qui s'appelle le bilan d'Enedis, le bilan électrique. Vous trouvez dessus aussi tout un tas d'infos. Ça peut donner des idées. Après, évidemment, on n'est pas tout seul sur le domaine énergétique à donner des informations fiables. Vous avez le site Info Énergie, qui est un site officiel qui donne beaucoup d'éléments d'information sur l'électricité et l'énergie. Évidemment, les agences comme l'ADEME sont aussi évidemment des sources d'infos fiables. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai envie de rebondir peut-être sur la question en disant l'important, c'est d'être curieux et effectivement de ne pas s'arrêter au premier commentaire qui paraît séduisant et qui, en 140 caractères, nous paraît vachement sympa. Parce que le débat, il est complexe. Et donc, en 140 caractères, on est incapable de résumer les choix énergétiques de la France pour 2050. Le rapport RTE, il fait 450 pages. Les chapitres, la synthèse fait 64 pages. Celui du GIEC, 2000. Donc, si on veut être un peu éclairé, il y a un peu d'effort. Tout à fait. Merci. Il faut prendre le temps de se documenter, de recouper les informations. Oui, Marc. Oui, l'ADEME a largement été cité. Donc, en quelques lignes, en quelques caractères, le tweet ADEME, le site de l'ADEME, la plateforme Agir qui comporte, je l'ai évoqué, non seulement l'accès à nos dispositifs de soutien financier et d'accompagnement, mais aussi de l'information et de la communication. Et je voudrais dire, ça, c'est de l'information pure et dure. Et ce que nous développons conjointement avec les équipes de Thomas, c'est un affichage environnemental. Et un affichage environnemental qui ne se limite pas à l'affichage carbone, à l'affichage consommation d'énergie, mais qui intègre l'ensemble des impacts environnementaux sur tout le cycle de vie d'un produit. Donc ça, c'est un élément qui existe, qui est déjà diffusé par certains, à titre un petit peu exploratoire, par certains grandes enseignes. Je citerai par exemple Decathlon qui développe cet affichage environnemental sur certains de ses produits, notamment textiles. Et nous, les équipes de Thomas, avec notre aide, sont en train de travailler sur un indice de réparabilité, sur un indice de durabilité. Et donc, tous ces éléments-là, c'était concentré d'informations sur des critères qui ont été vérifiés, validés et solidifiés. Et dernière information, sur le site de l'ADEME, vous trouverez une analyse des principaux labels environnementaux en indiquant ceux qui nous paraissent, en tant qu'agence, plus favorables et ceux sur lesquels, je dirais, il y a un peu moins de certitude sur la façon dont les données ont été utilisées et valorisées. Merci Marc. Alors je crois qu'il y a une, Cédric, une question sur... Très, très, très court, un tout petit complément, oui, très court pour dire que
La formation, il y en a de différentes natures. On a un petit problème collectif avec le rapport à la science, qui parfois est mis en doute. Nous, dans, en tout cas sur les sites d'information publique, on s'appuie sur la science. Voilà, c'est toujours la science qui est citée. Et l'indice, c'est que les sources apparaissent. Ce n'est pas juste une allégation, c'est des références. Et il y a des documents plus profonds qui permettent d'expliquer la méthode, de donner les sources, de donner les bases de calcul, etc. Ça, c'est fondamental dans la crédibilité des conclusions qui sont données, même si, évidemment, vous et moi, on n'est pas forcément l'expert qui est capable de tout vérifier. Et il faut savoir ce qu'on cherche. Je vois trois niveaux de lecture au moins. Il faut comprendre les phénomènes globaux d'environnement. Pour ça, vous avez, je fais un peu de placement de produit, un site qui s'appelle notreenvironnement.gouv.fr. Là, on vous explique les questions énergétiques, les questions climatiques, les questions de biodiversité. On vous explique, on vous donne les clés pour comprendre et pour approfondir. Il y a ensuite, plus autour de la consommation, et Marc a expliqué ce qu'on était en train de faire, l'affichage, donner de l'information aux consommateurs, mais de l'information régulée, pas uniquement de l'allégation environnementale de la marque qui dit « je suis les meilleurs, je suis le plus vert, je suis le plus beau, le plus neutre », mais bien de l'information tracée. Et puis, il y a les usages. Il y a ce que l'on fait de notre vie, donc il y a la consommation, mais il y a aussi comment on utilise les biens, les objets. Et ça, pour ça, l'ADEME a des tas de fiches pratiques extrêmement claires pour vous aider, nous aider tous, à changer nos comportements et à faire en sorte que notre empreinte personnelle diminue. Encore juste un chiffre, on vient de publier l'empreinte carbone des Français, celle de l'année Covid, donc elle est plus basse que les années précédentes, on n'est qu'à 8,1 tonnes de carbone par personne, en empreinte, c'est-à-dire en concentrant toute notre consommation. Mais la neutralité carbone, c'est 2 tonnes. Et encore une fois, c'était une année Covid, donc considérez qu'on est plutôt à entre 9 et 10 tonnes. Donc, vous voyez l'effort qu'on doit faire pour arriver à la neutralité, c'est considérable. Donc, informez-vous à ces trois niveaux de lecture. Une dernière question du public. Bonjour, Domiti, présidente de la Jeune Chambre économique de Reims. J'aurais une petite question pour notre partenaire Enedis. Les employés Enedis ont des tarifs assez attractifs pour leur électricité. Et est-ce que vous aidez les employés dans la transition énergétique pour qu'ils soient moins pollueurs et qu'ils consomment moins malgré le tarif attractif? Merci. Oui, alors, effectivement, comme, bon, les salariés d'Enedis, ou du groupe d'ailleurs, enfin, des industries électriques et gazières, hein, c'est pas que ceux d'Enedis, c'est toutes les industries électriques et gazières, bénéficient effectivement d'un avantage, comme il en existe dans certains groupes. Effectivement, il ne s'agirait pas qu'ils ne soient pas vertueux. Hein, alors, je suis assez convaincu que parmi les salariés d'Enedis, il n'y a pas que des gens pas vertueux, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont engagés, hein, qui sont de votre génération ou de toutes les générations et qui aujourd'hui sont très engagés sur le sujet et sont sensibilisés à toutes les actions qu'on mène d'ailleurs au sein de l'entreprise. Après, il est vrai qu'il faut pas que ça se traduise par des parce qu'on paye pas cher entre guillemets, hein, qu'on puisse gaspiller, ça serait évidemment scandaleux. Au sein de l'entreprise, pour répondre à votre question, effectivement, on fait beaucoup de choses pour essayer d'aider les salariés à aller dans les bonnes directions. C'est par exemple le cas sur les véhicules, pour aller vers des véhicules électriques, donc des véhicules moins polluants, pour isoler aussi les logements. On relaie beaucoup de campagnes de ce type. On a des démarches d'éco-citoyenneté, hein, des démarches dans lesquelles on à travers des applications où on s'inscrit sur des actions vertueuses liées à son plan de déplacement, par exemple, aux moyens de transport pour venir à l'entreprise, etc., ou pour venir ou pour partir du travail. Qu'est-ce qu'on fait chez soi avec ses équipements, etc., et où les salariés sont incités justement à s'engager sur des actions et ça leur donne une indication de l'impact environnemental qu'elles ont, par exemple. Voilà, donc tout ce type de démarches sont menées de manière à ce que nos salariés, mais je dirais envie de dire comme n'importe quelle grande entreprise doit le faire, puisse contribuer à son niveau, hein, à la démarche. Quoi. Alors, la question de cette adhérente me fait penser à un mot, la notion de sobriété, qui semble encore être tabou. Pourquoi, selon vous, ce mot-là est tabou, le principe de sobriété? Elle n'est pas facile, cette question. Ah, elle n'est pas facile. Mais on a pas posé des questions faciles. Bon, je veux bien me lancer, mais pardon, moi je ne trouve pas que le mot soit tabou. Ce qui est peut-être tabou, c'est l'idée de la décroissance. Ça, c'est plus difficile. C'est un débat qui reste encore un peu devant nous. La sobriété, je l'aperçois d'abord comme la question de se poser les bonnes questions. La première question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Est-ce qu'il y a une solution alternative pour avoir le même bénéfice, la même satisfaction de ce dont je pense avoir besoin, un transport, un bien, un service, etc. Et ça, tout ça, c'est de la sobriété. Éviter tout ce que l'on peut. Vous savez, dans les projets, on a une séquence qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser. C'est fait pour les porteurs de projets quand on fait une gare, un aéroport, que sais-je encore, un centre commercial. Mais en fait, c'est une logique qu'on peut tous avoir. Est-ce que je peux éviter? Est-ce que je peux réduire? Puis la question de la compensation, c'est peut-être un peu différent pour les individus. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit tabou, mais c'est très bien de le citer parce que, en effet, il ne faut pas tout attendre d'un système économique qui se serait transformé. On est des acteurs à part entière. On n'est pas les fautifs du système. Parfois, les gens se sentent pris comme dans une injonction en disant « si ça va mal, c'est parce que vous devez tout changer dans votre vie ». Non, mais on est quand même une partie de la solution. Voilà. Et le système économique aussi. Juste pour compléter, peut-être pour mettre ça en regard de ce qu'on fait dans une entreprise, par exemple, pour éviter un certain nombre de dépenses énergétiques, hein, on essaye, par exemple, pour les déplacements, de favoriser le fait d'aller directement sur le lieu de l'intervention en partant de chez soi, plutôt que de venir à l'entreprise et de retourner, par exemple, sur le lieu d'une intervention, ce qui diminue les kilomètres et ce qui peut rendre les choses plus efficientes. Donc, il y a des moyens d'éviter, hein, des déplacements, d'éviter des choses. Bon, évidemment, hein, avec le Covid, on a intensifier le travail à distance, les téléconférences, etc. On en a peut-être plus que soupé, mais ce qu'on en retient et ce qu'on essaye aujourd'hui de garder en mode permanent, c'est les côtés vertueux de ce que nous a imposé à faire la situation sanitaire. Et on voit bien que des réunions à distance, parfois, sont tout aussi efficientes que des réunions qui, parfois, pouvaient se faire avec des déplacements, et parfois lointains, que ce soit quand on va à Paris ou quand on se déplace au sein d'une même région. Donc tout ça, on est en train de le construire et de le capitaliser, je dirais, à travers des démarches et des accords sociaux avec nos partenaires sociaux et des modalités d'organisation interne à l'entreprise. Donc il y a des moyens de faire de la sobriété. Effectivement, c'est pas tabou, hein. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise déjà pas. Après, on va voir comment faire mieux. Hein, c'est comme pour les déplacements, il vaut mieux pas rouler que de rouler en électrique. Si on peut ne pas rouler. Après, si on doit rouler, eh ben, il vaut mieux rouler en électrique. Mais la première étape, c'est d'essayer de ne pas rouler. Oui, la première question à se poser, c'est pourquoi et est-ce que j'en ai vraiment besoin finalement. Peut-être une... Jean, tu voulais... Réagir ? Intervenir ? Non, pas spécialement, tout a été dit. Je suis à l'aise avec ça. C'est sûr, c'est juste que la sobriété, c'est peut-être le premier pas vers la décroissance, parce que si la demande se réduit, donc c'est quand même assez lié, mais moi je trouve pas non plus qu'il y a un sujet tabou, je trouve au contraire c'est presque tendance, c'est presque cool de réduire sa consommation, de faire attention, et je pense que c'est une tendance de fond, donc je suis assez aligné. Peut-être en complément de tout ce qui a été dit, c'est que sobriété renvoie souvent, alors effectivement au terme décroissance ou au terme revenir à la bougie, et c'est tout l'inverse, et la sobriété c'est quelque chose qui s'impose parce que les limites de la planète. Mais c'est un formidable vecteur d'innovation et de création de modèles économiques, comme ça vient d'être évoqué. Et c'est ça qu'il faut retenir dans votre dynamique et dans vos challenges à vous. Et c'est les vecteurs d'innovation que crée cette obligation, qui est un développement durable, des entreprises durables, une société durable. Parce que là, la sobriété, c'est le reflet de cette société durable. Et tout ce que vous allez pouvoir challenger en termes d'innovation. Bien. Merci, messieurs. Nous arrivons au terme de notre table ronde. C'était très intéressant, très enrichissant. Merci pour vos interventions. Merci d'avoir partagé vos expériences, votre engagement et votre passion. Merci, Elodie. Merci Cédric. Et effectivement, bravo à la Jeune Chambre économique française d'avoir organisé cette table ronde. Et là, comme on vous l'a dit, on a toujours essayé d'être dans des actions concrètes. Et alors, pour pousser encore plus loin pour vous, pour demain, pour vos entreprises, pour vous aussi qui êtes sur LinkedIn ou qui vous nous regardez aussi en replay, pour continuer concrètement dès demain dans votre entreprise à agir, j'invite Thomas Guest, administrateur en charge du thème national, à nous rejoindre pour nous présenter le jeu sur les objectifs de développement durable. Merci. Bonjour à tous, je suis Thomas Guest, administrateur national de la Jeune Chambre économique française, en charge
du déploiement du jeu du Serious Game Captain ODD dans nos 125 jeunes chambres économiques locales. Avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir la vidéo qui a été tournée lors de la soirée de lancement à Paris en septembre en avant-première. Notre objectif, c'est tout simplement de changer le monde à travers des actions, à travers des projets qui sont concrets dans les territoires. Pour rappel, la Jeune Chambre économique française, c'est 2000 jeunes engagés dans les territoires, dans 135 jeunes chambres économiques locales. Et on a décidé de tout simplement mettre en place cet outil qui va être demain une caisse de résonance dans tout le territoire national. Cet outil, c'est un jeu qui s'appelle Captain ODD. C'est un espèce de monopoly du développement durable où on va influencer à la fois des décideurs économiques, des décideurs politiques, des décideurs institutionnels à se lancer dans une stratégie de développement durable pour leur organisation. Bien gérer une boîte aujourd'hui, et c'est bien gérer l'environnement aussi, parce que sinon ça ne dure pas si on n'est pas capable de s'assurer d'avoir les ressources dont on a besoin pour perdurer. Et donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place à Romans, dans la Jeune Chambre économique où j'étais quand j'avais moins de 40 ans. Et c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place chez 1083, la marque de jeans que j'ai créée. Et du coup, c'est trop cool de voir aujourd'hui la Jeune Chambre économique s'emparer du sujet avec le lancement de ce Serious Game Captain ODD. Je viens d'avoir la chance de jouer pour la première fois à Captain ODD. On m'avait présenté un Serious Game et je dois te dire que c'est vraiment serious, mais en même temps game, parce qu'il faut une collaboration entre les joueurs pour que ça marche. Ça remet en perspective, ça permet de déconstruire un petit peu les certitudes qu'on peut avoir sur ces sujets, et notamment sur le changement climatique. Je pense que c'est un très bon outil pour sensibiliser les entreprises aux questions des objectifs de développement durable. C'était un jeu ludique, intéressant, qui nous a permis d'échanger sur les enjeux du développement durable. Et avec les quiz, on a pu apprendre aussi pas mal de choses sur des questions d'actualité. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment un jeu d'équipe. Il y a vraiment une complémentarité entre chaque joueur. Alors, comme l'a dit notre président d'Irakan en début de cette vidéo, notre objectif, c'est tout simplement de changer le monde, et ce jeu veut y contribuer. Nous sommes tout d'abord partis d'un constat issu de notre enquête nationale de 2020, à laquelle près de 3000 organisations ont répondu. 75% des répondants ont pour ambition d'intégrer plus fortement le développement durable dans leur stratégie à moyen terme. Cela veut dire qu'il y a une réelle intention d'agir de la part des acteurs économiques, Captain ODD doit aider ou donner le coup de boost pour passer le premier pas. À travers ces 200 cartes, les participants vont découvrir les nouvelles économies plus durables, des solutions concrètes à transférer dans leurs entreprises, qu'ils soient salariés ou dirigeants. Ils vont aussi pouvoir se challenger grâce aux questions quiz et découvrir les défis et les opportunités de la responsabilité sociétale d'entreprise. Bien évidemment, au-delà de la partie de jeu, ce sont les échanges qui suivront, les synergies créées, les actions communes concrètes qui seront les vraies valeurs ajoutées de cette initiative de la Jeune Chambre économique française. À ce jour, l'ensemble des jeunes chambres économiques locales ont été livrées de la boîte de jeu, prêts à vous faire une présentation. Certaines ont très rapidement emboîté le pas. Par exemple, la Jeune Chambre économique de Grenoble est en train de créer un partenariat avec le BNI pour promouvoir le jeu. La Jeune Chambre économique de Chambéry a sensibilisé son écosystème local au village Paisea la semaine dernière. La JCE de Strasbourg a emboîté le pas deux jours après. La Jeune Chambre économique de Montpellier qui a fait une soirée de découverte des jeunes avec ce jeu. La Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire qui participera au salon Social Change en décembre, un salon autour de la transformation des entreprises et de l'RSE. Ou encore la Jeune Chambre économique de Chartres qui en a profité lors du salon d'entrepreneurs pour organiser un stand Captain ODD et sensibiliser les chefs d'entreprise. Ce sont des parfaits exemples de toutes les possibilités de format auxquelles nos près de 2000 bénévoles peuvent interagir pour promouvoir les objectifs de développement durable. Si vous souhaitez que nous réalisions une présentation dans vos organisations ou rejoindre les bénévoles de la Jeune Chambre économique française, rendez-vous sur notre site internet www.jcf.asso.fr ou retrouvez la Jeune Chambre économique la plus proche de chez vous. Merci à tous et faisons cap ensemble sur les objectifs de développement durable.
Merci à tous et puis merci aux intervenants de la première table ronde d'avoir été parmi nous pour débattre de ce sujet fort intéressant. Et merci à toutes les personnes connectées en live et aux personnes dans la salle. Nous allons revenir dans une dizaine de minutes avec une seconde table ronde, pas de transition écologique sans transition sociétale, la place de la jeunesse. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et pour nos bénévoles qui sont dans la salle, vous pouvez rester ici pour la suite du programme ou aller dans vos ateliers.
Rebonjour à tous et ravi de vous retrouver, que ce soit en live ou dans la salle. Nous allons poursuivre ce temps de plénière avec la seconde table ronde, pas de transition écologique sans transition sociale, la place de la jeunesse. Et je demande à Cécile et Thomas de me rejoindre sur scène pour présenter cette table ronde. Rebonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde dont le titre est « Pas de transition écologique sans transition sociale, la place de la jeunesse ». Je suis avec Cécile, membre de la Jeune Chambre économique de Villefranche et Beaujolais, conseillère Césaire à la Fédération Aura. Et avec moi Thomas, bénévole à la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire et également cette année 2021, administrateur national, délégué au thème national et au projet associatif. Lors de la précédente table ronde, nous avons vu le rôle de l'entreprise pour faire face à la transition écologique. Cette transition est un impératif qui entraîne une évolution sociétale. La société doit évoluer pour faire face au changement climatique, pour s'adapter. La jeunesse, elle, est inévitablement l'héritière des pratiques des générations passées qui sont, en vision macro, responsables du changement climatique ou encore de l'impact de l'humain sur la biodiversité. Elle sera demain aux responsabilités. Quelle place peut-elle prendre ? Alors, la place de la jeunesse, c'est une question essentielle pour un mouvement comme le nôtre. Parce que justement, la Jeune Chambre économique française a pour mission de donner aux jeunes des opportunités de développement pour leur permettre de trouver une place. Alors, toutefois, pour commencer, on peut faire deux constats. Le premier, c'est que la jeunesse, on vient de parler de la jeunesse. Enfin, la jeunesse, ce n'est pas un ensemble uniforme. Il y a d'immenses disparités en ce qui concerne la formation, l'information, la mobilité, qu'elle soit géographique ou autre. Et puis, on peut faire un deuxième constat, en ce qui concerne la transition écologique. La transition écologique, ce n'est pas quelque chose de facile, d'évident. Et on relève un certain nombre de paradoxes ou alors d'équilibres difficiles à trouver. En d'une part, des métiers qui semblent véhiculer de fortes valeurs, et puis d'autre part, des conditions de travail, des conditions de salaire qui peuvent être, elles, peu attractives, voire décevantes. Si bien que cette réflexion nous a amené à un questionnement. Ce questionnement s'articule autour de deux questions. La première question, c'est comment opérer une sensibilisation qui permet de toucher toute la jeunesse à la transition écologique? Et puis d'autre part, comment trouver des solutions pour résoudre le paradoxe que j'évoquais il y a un instant? Et pour nous aider à trouver des solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Gentil, cofondateur de la plateforme Wisby, une plateforme qui facilite la recherche d'emploi des jeunes avec un complément d'information sur l'aide financière. Il est également président de la French Tech à Grenoble. Avec nous également Marc Maradour, qui représente l'UDS, l'Union des employeurs de l'ESS, pour la partie syndicat-employeur. Et il est le délégué régional des Pays de la Loire. Également, Anthony Quintard, président des jeunes agriculteurs de l'Aveyron. Il est éleveur, entre autres, de volailles et de bovins. Il porte des convictions très fortes sur la transition agroécologique ainsi que sur les défis du renouvellement des générations. Et puis avec nous encore, Sylvie Bénard, qui a créé l'agence La Dame à la Licorne, dont l'objectif est de sensibiliser, d'accompagner les entreprises dans la transition écologique. Mais la création de cette entreprise, c'est un deuxième temps dans la carrière de Sylvie, qui a, dans un premier temps, eu une longue carrière au sein de LVMH, où elle était directrice d'un service en tant qu'experte des enjeux environnementaux et écologiques. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Alors, pour introduire notre questionnement, je vous propose une première question à chacun. Romain, vous fédérez les attentes de milliers de jeunes via votre outil. Quelles sont pour vous les tendances d'aujourd'hui et les défis de cette jeunesse ? Merci. Déjà, je voulais commencer par dire que j'étais particulièrement heureux d'être ici puisque je suis donc un ancien jeune chambre. J'ai été président de la Jeune Chambre économique de Grenoble et je pense que mon dernier congrès, c'était dans les Pays de la Loire. Donc, ah, c'est sympa de revenir. C'était à Nantes, il me semble. Donc Wisby, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui veut proposer tous les services dont les jeunes peuvent avoir besoin pour rentrer dans la vie active. Donc les jeunes chez nous, c'est entre 16 et 30 ans.
Et donc pour ça, on a différents services, dont les deux principaux sont une plateforme de recherche d'emploi et une plateforme de recherche d'aide financière, donc de financement pour financer principalement sa vie étudiante, mais pas que. Et sur l'ensemble des services qu'on propose, on a 8 millions d'utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet de constater des usages, des évolutions de la consommation de par le trafic et l'utilisation qu'il y a sur nos plateformes. Et ça nous permet de sonder aussi en direct les populations utilisatrices. Donc, je n'ai pas 40 000 chiffres à balancer. Je peux juste dire, deux choses. La première, c'est que moi, je suis en capacité de parler principalement au nom des étudiants, au nom des personnes qui vont s'insérer dans la vie active. Et c'est effectivement, comme tu le disais, Cécile, les jeunes, c'est une population très hétérogène. Donc, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Je peux faire une certaine distinction où d'une part on ressent dans nos rencontres que les jeunes, de manière générale, je vais parler des jeunes diplômés, sont eux extrêmement sensibles, cette tendance du sens au travail, etc. Ça c'est des choses, on nous les rabâche, on le voit partout, mais c'est pas la même chose quand on parle aux étudiants. Alors oui, ils sont sensibles, oui, ils sont très éveillés à ce qui se passe autour d'eux, voire paniqués. Mais par contre, ce qu'on voit dans les chiffres, très concrètement, c'est que avant de pouvoir manger bio, il faut manger. Et que en fait, ce qu'on voit dans les sondages, notamment que nous on a fait là post-année Covid, c'est que les trois principales choses qui ressortent en termes de besoins pour le jeune, c'est financer ma vie étudiante, principalement par le job étudiant, c'est trouver un travail et c'est gérer ma santé, notamment mon stress et l'anxiété qui peut. Donc ça, c'est directement lié à ce qui vient de se produire. Et voilà, c'est ça les messages qui ressortent et les tendances que je peux évoquer, en tout cas, voilà, dans un premier pas. Merci beaucoup. Merci Romain. Je me tourne vers vous, Anthony. Vous représentez une profession extrêmement impactée par le changement climatique, par les enjeux de développement durable. Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés directement les agriculteurs ? Alors, en introduction, je vais faire aussi un petit remerciement, puisque c'est la deuxième fois que j'interviens dans le cadre d'un congrès de la Jeune Chambre économique. Donc, merci de me solliciter. Ça me fait plaisir de pouvoir apporter la voix des agriculteurs dans d'autres réseaux que ceux des agriculteurs. Alors, entre-temps, je ne suis plus président des jeunes agriculteurs de l'Aveyron, mais ce n'est pas grave, on y reviendra. les enjeux de l'agriculture et des jeunes agriculteurs aujourd'hui, c'est clairement le renouvellement des générations en agriculture et l'attractivité de notre métier pour les jeunes. Et je pense qu'il y a des opportunités, je pense que c'est un mot que vous connaissez bien, la Jeune Chambre économique, les opportunités qui sont colossales dans notre métier. Et les enjeux de développement durable, et je vais plutôt moi parler d'agroécologie, sont colossaux dans notre métier et sont facteurs et vecteurs de développement. Et donc peuvent aussi appeler les jeunes à ce métier-là, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, message très positif pour moi, en tout cas, même si c'est assez, on remet en question beaucoup de choses dans notre métier en parlant de transition écologique. Merci beaucoup, Anthony. Marc, l'économie sociale et solidaire rassemble de plus en plus d'acteurs. L'UDES est fédérateur pour accompagner cette dynamique. Quelle est aujourd'hui la place des jeunes dans ce secteur ? Une demi-heure. Tout d'abord, merci de votre invitation. Alors, moi, je n'ai pas eu l'honneur de faire partie des jeunes chambres. J'en suis désolé, je vais être le seul, pratiquement, à la table ronde. Par contre, je retrouve la même énergie que j'ai retrouvée au CJD, que j'ai quitté il y a quelques dizaines d'années. Je ne vais pas vous donner le nombre. Alors, la place de la jeunesse dans l'économie. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est tout d'abord les mal connus, puisque ce sont, en termes juridiques, ce sont des structures comme les coopératives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les associations qui sont le plus grand nombre de structures juridiques dans l'économie sociale et solidaire, et puis les mutuelles. Alors, dans la région Pays de la Loire dans laquelle vous vous trouvez, c'est 14% de l'emploi. L'ensemble de ce
Et c'est une progression de l'emploi. Là, on a fait une étude il y a quelques semaines de 1% sur le dernier trimestre. Donc, plus rapide que le reste du secteur, on va dire, économique. Au niveau national, on est à 10%. Alors, la place des jeunes, c'est la place qu'ils vont prendre. Et la place qu'ils prennent, c'est toute leur place en tant que professionnels ou en tant que militants au sein de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi l'agriculture, dans certaines de ses dimensions. C'est la culture, c'est le sport, c'est le soin, c'est l'aide à domicile, c'est le médico-social, c'est le handicap, c'est le tourisme, je vais en oublier certainement, puisqu'on représente plus de 20 branches. Donc forcément, quand je vous dis que c'est 13 ou 14% de l'emploi ici au niveau de la région et 10% au niveau national, il y a des engagements citoyens à prendre, très forts, et sur la transition écologique, sur l'économie ou sur la transition sociale. Et il y a des engagements professionnels aussi, puisque dans ma carrière professionnelle, que j'ai exercé cette fonction à titre bénévole, mais j'ai dirigé une association dans laquelle il y avait 1700 salariés. Donc, je pense en avoir recruté un certain nombre de jeunes depuis quelques années. Et je continue à le faire, puisqu'on a créé deux coopératives dans lesquelles les directeurs ont l'âge de rentrer dans votre jeune chambre. Très bien. Merci beaucoup. D'accord, merci. Sylvie, alors, votre agence, la Dame à la Licorne, a pour raison d'être d'accélérer la prise de conscience de la nécessité de la transition écologique auprès des décideurs dans les entreprises, auprès des chefs d'entreprise. Vous me corrigerez hein, s'il y a besoin. Comment ces entreprises font-elles la démarche de vous aborder? Qu'est-ce qu'elles vous demandent? Et puis surtout, vous, qu'est-ce que vous leur apportez? D'abord, merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être un congrès de la Jeune Chambre économique. J'ai une longue carrière à la Jeune Chambre économique française et internationale. Et c'est grâce à GCI que je suis allée au sommet de la Terre en 1992. Et que quand je suis revenue, j'ai décidé d'orienter ma carrière, qui était une carrière de recherche en microbiologie, vers l'environnement et le développement durable. Et c'est comme ça que j'ai créé la direction environnement en revenant de Rio, grâce à la Jeune Chambre, chez LVMH, poste que j'ai exercé jusqu'au Covid. Et donc, j'ai souhaité continuer, après ma retraite de LVMH, à travailler et surtout à transmettre tout ce que j'avais pu apprendre tout au long de ces années. Et c'est ça un petit peu que les chefs d'entreprise, les gens qui m'appellent viennent chercher. Ça a été dit, ça a été très bien dit à la table ronde précédente. La RSE, parce que je fais un bon rapport développement durable, parce que j'ai une fondation et parce que je fais de la compensation, c'est terminé. Et les chefs d'entreprise se rendent compte que c'est beaucoup plus que ça. Et ils appellent et ils disent « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et vous l'avez vu là aussi à la table ronde précédente, c'est déjà très très compliqué quand on est un citoyen consommateur de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Imaginez quand vous êtes chef d'entreprise. Donc moi, ce que je vais les aider à comprendre les enjeux. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation à faire et à toutes les strates de l'entreprise. Depuis les jeunes collaborateurs, les employés, mais aussi beaucoup au niveau des présidents et des présidentes. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'aider à décrypter les enjeux et de le faire vraiment à fond. Ça a été dit aussi, s'appuyer sur la science. Malheureusement, ça a été encore beaucoup dit à la table ronde, le problème du mot carbone. La vie est faite de carbone. On est fait tous de carbone. Vous travaillez le carbone. Donc, dire qu'on veut un monde sans carbone, c'est on dit on veut un monde sans vie. Donc, vous voyez, c'est aller jusqu'au bout, des sujets. Donc, ça, c'est la première, ça, c'est la pédagogie. Et ensuite, une fois que cette pédagogie est faite, c'est de mesurer. C'est quoi mon impact sur le CO2? C'est quoi mon impact sur la biodiversité? C'est quoi mes impacts sociaux? Et à partir de ça, les chefs d'entreprise, ils ont envie que leur entreprise soit là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, une fois qu'on les a aidés à accoucher de ces problèmes-là, c'est les aider à accoucher de solutions. Et alors là, pour le coup, il faut emmener toute l'entreprise. Et donc là aussi, de la formation, de l'explication, mais en emmenant vraiment tout le monde. Et arriver à twister et à changer vraiment le business model de manière extrêmement diverse et variée. Et puis ensuite de transmettre, de partager, de faire connaître, parce que on est aussi sur des sujets où en allant ensemble, on va aller beaucoup plus vite. Il faut aller vite. Mais et donc quelquefois en allant ensemble, y compris avec ses concurrents, on va aller plus vite. Donc voilà un petit peu tout ce que j'essaye de transmettre.
Merci pour ce panorama. Merci beaucoup, Sylvie. Ces premières prises de parole mettent en avant trois éléments de réflexion. Le sens du travail, la valeur du travail, le salaire, l'équilibre financier, et puis évidemment la formation, mais la formation à tous les niveaux, que ce soit de l'entreprise ou des salariés. Ouais, dès la première intervention de Romain, on a entendu les jeunes sont très sensibles, les attentes par rapport au bout du travail ont un peu évolué, ou beaucoup peut-être évolué. Est-ce que, alors je vais poser une question générale et puis je propose que chacun d'entre vous y réponde selon son domaine. Est-ce que les attentes des jeunes dans le monde du travail ont véritablement évolué? Si oui, comment? Quelles sont-elles dorénavant? Qui souhaite entrer? Il y a peut-être fait passer par un petit retour en arrière, si vous me permettez. Il y a une quinzaine d'années, j'ai entendu un dirigeant d'une très grande entreprise multinationale, dont je ne citerai pas le nom, parler de développement durable. Quand je dis 15 ans, ça fait 20 ans. Et je dirigeais une association sociale, médico-sociale, dont les valeurs étaient incarnées, mais n'étaient pas dites. Ça m'a donné l'idée de mettre en place cette démarche RSE. Ça fait 20 ans, hein, je vous dis que... Donc ça, et effectivement, les attentes, il y a 20 ans, donc certains étaient plus jeunes que nous, les attentes étaient sur l'écologie, sur le social, sur l'humanité, étaient déjà ancrées, mais pas autant que sur l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie recherche de sens, mais des jeunes générations, bien sûr, mais aussi des anciennes générations. Mais on est poussé, et je pense que c'est une bonne chose, on est poussé par les moins de 30, les moins de 40, on va dire moins de 40 puisqu'on est ici, on est poussé effectivement par cette énergie, et cette énergie, il faut que, en tant que responsable d'entreprise, en tant que chef d'entreprise, il faut que nous les écoutions. On ne peut pas faire de la gouvernance up-down. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que recherchent les salariés. Non, j'ai créé une coopérative il y a 2 ans, les salariés font partie du conseil d'administration, et on est vraiment très, très, très interrogé et réinterrogé dans nos pratiques. Donc, la place des jeunes, c'est d'être plus participatif, surtout quand l'objet de la coopérative ou de l'association a un sens. Par contre, il y a une question qui est celle du salaire. Alors, je faisais un baromètre social, ça fait pareil, ça fait 12 ans, on le faisait tous les 2 ans. Il y avait plus de 1000 répondants dans l'association que je dirigeais. Les réponses étaient effectivement, qu'est-ce qui fait que vous venez bosser dans cette boîte, le sens, le rapport, on va dire, le climat social, le rapport avec ses collègues. Et puis à l'inverse, qu'est-ce qui vous font traîner les pieds? C'était le salaire, bien évidemment. Et puis le travail dans le stress. Alors qu'aujourd'hui, avec tous nos outils portables sur lesquels on est tous, on a envie que les réponses arrivent tout de suite. Et effectivement, il faut faire maturer les choses, puisque on ne peut s'inscrire aujourd'hui, quand on parle de développement durable ou du RSE, on peut s'inscrire que dans le temps. Donc, l'attente des jeunes, c'est une réponse qui s'inscrit maintenant, mais pour une vision dans le long terme. C'est tout le sens du développement durable, me semble-t-il. Ok, bah merci pour cette réponse. Vous avez abordé le sujet du salaire. On y reviendra parce que ça nous semble assez essentiel dans un certain nombre de domaines. Ok, est-ce que l'un d'entre vous peut-être a quelque chose à développer? Premier, oui, sur le sens du métier de l'agriculture. Oui, alors je pense qu'effectivement, on a un métier où le sens est vraiment au cœur de notre métier, notamment parce que, bon, on reviendra toujours tout à l'heure sur l'histoire du salaire, effectivement, mais je pense que si on n'avait pas le sens dans notre métier, il y aurait peut-être beaucoup moins d'agriculteurs. Effectivement, le sens premier de notre métier, c'est de nourrir l'humanité. Et quelle chose plus noble que de nourrir l'humanité? Et on dit souvent qu'un agriculteur est présent 3 fois par jour chez vous, dans votre assiette, le matin, le midi, le soir. Et ça, pour les agriculteurs, il faut se rendre compte que c'est une véritable fierté. Au-delà de la valorisation de son produit, au-delà de la façon dont il le produit sur son exploitation, le sens de son métier, c'est quelque chose qui le nourrit au quotidien. Et c'est finalement la première des récompenses, parce que les agriculteurs qui sont finalement en circuit court ou en vente directe, ils sont confrontés directement, puisque finalement ils ont le retour en direct des consommateurs, et finalement c'est presque le premier salaire de l'agriculteur, c'est vraiment ça, c'est le sens de ce qu'il fait dans son métier. Et je pense que les jeunes agriculteurs, enfin, en tout cas ma génération et les générations qui arrivent encore après, sont encore plus sensibles à ça,
parce que je pense qu'on a une nouvelle commande de la société. On n'est plus sur les nouvelles attentes, on n'est plus sur les attentes de l'après-guerre où la commande était vraiment de nourrir la France, et je pense que ça a été fait de façon formidable par l'agriculture française, de devenir autonome au niveau français en termes d'alimentation. Donc c'est quelque chose qui a été réalisé, et aujourd'hui les attentes changent, et je pense qu'il y a ce véritable sens qui est vraiment en ligne de fond, en lame de fond, et dans aussi la commande de la société. La commande n'est plus la même, et je pense que cette notion de lien entre le produit que je consomme et celui qui l'a produit est de plus en plus présent. Et je pense que voilà, ça fait partie du sens que l'on va mettre, que l'on met déjà, mais que l'on va mettre encore plus dans le métier de l'agriculture. Merci. J'ai quatre sujets. Le premier, et ça vous l'avez bien dit, celui qui dit moi je veux travailler pour des entreprises qui ont de la valeur et je suis capable de choisir et de ça, c'est certains types de jeunes. Il y en a, ils veulent tout simplement un job. Donc voilà, de qui parlons-t-on ? Petit sujet. Deuxièmement, l'attente de valeur n'est pas seulement une attente des jeunes. Moi, j'ai des gens qui ont 40 ans, 50 ans, des très belles carrières, et qui disent stop, je veux travailler pour le développement durable. Alors c'est là où j'essaye de leur faire accoucher de ce que c'est que travailler pour le développement durable, mais qui parlent vraiment d'attente de valeur. La troisième chose qui est un tout petit peu différente, je pense, des plus jeunes générations, c'est tout de suite. Or, on est sur un sujet où un, c'est très complexe, ça a été dit. Donc le tout, c'est quoi ? Et deux, tout de suite. Non, il faut de la maturation, de la compréhension, etc. Et le quatrième sujet, je l'ai oublié, mais ça me reviendra. Merci beaucoup, Sylvie. Et vous, Romain, sur la plateforme. Si, pardon, il m'est revenu. Mais ça, c'est une question de caractère très personnel. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux aller travailler pour une entreprise pleine de valeurs où tout va bien, où vous apporterez peut-être 1 ou 2% de plus ? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller travailler une entreprise où tout ne va pas si bien, et là, vous apporterez 10 ou 15% de plus. Mais ça, c'est des choix personnels. Tout à fait. Merci. Et vous, Romain, sur la plateforme Wisby, comment ça se traduit, cette recherche des valeurs ? Est-ce qu'on retrouve ce qu'on est en train de se dire autour de cette table ? Alors, sur la plateforme, alors, je ne sais pas si c'est des valeurs ou des évolutions d'usage. Première chose que j'ai envie de dire, c'est quand on demande on demande sur notre plateforme à un jeune de lui, il y a une première question qui est celle plus ou moins évoquée tout à l'heure, qui est de dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et il va dire trouver un job. Ça, c'est la réponse qu'il va te donner. Après, une fois que tu as dit ça, tu lui demandes quel est pour toi le signe d'une carrière réussie. Et là, tu mets en priorité, t'as un seul choix. Et ce qui ressort, 50%, 20%, 10%. 50%, c'est l'épanouissement personnel dans le travail. 20%, c'est l'équilibre pro-perso. Et 10%, 12, c'est le sens d'un point de vue sociétal. Voilà. Je pense que tout dépend à quel moment tu poses cette question, bien entendu. Moi, j'ai fait une école de commerce. Je pense que j'avais le loisir de pouvoir me poser plus de questions que d'autres, mais encore une fois, vraiment, voilà, il y a de où on parle, quoi, de qui on parle, qui est vraiment clé. Et pour reprendre une expression, enfin un peu connue, mais qui a été dite par Jean de Phoenix tout à l'heure, qui disait, le consommateur, il décide avec sa CB, le jeune décide avec son CV. On pourrait presque dire ça, mais voilà, au début, son CV, quand on sort des études, quand on passe son bac, quand on est en tout début de parcours, voilà, c'est encore trop peu, je pense, ça a encore trop peu de poids, donc il y a un vrai enjeu peut-être du jeune d'après, la génération juste avant qui doit tirer ceux qui sont déjà en emploi pour amorcer un petit peu la pompe. Merci. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec Marc, on a effleuré ce sujet-là sur la thématique des salaires. Les salaires sont-ils en adéquation finalement avec les enjeux et les attentes des jeunes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, porteur de valeurs fortes, hein, qui attire de plus en plus. Les salaires sont souvent questionnés. Est-ce que c'est un véritable frein aujourd'hui ? C'est pas toujours un frein.
Mais non, il ne faut pas non plus négliger la variante salaire. Moi, je vais reprendre ce qui vient d'être dit là tout à l'heure sur l'épanouissement personnel. Effectivement, lorsqu'on travaille dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on espère trouver un sens au boulot que l'on fait. Pour autant, il y a, en termes de management, en termes de direction, et je vais revenir sur les salaires, il y a aussi une demande très forte, et là, du coup, je réponds à la question d'avant, il y a une demande très forte qu'il y a un alignement entre ce qu'on affiche et ce que l'on fait. Que ce soit dans le monde économique, je veux dire classique, ou dans le monde de l'ESS, vous ne pouvez pas avoir un discours de valeur, de sens, si votre management, votre gestion des ressources humaines, votre gestion de la transition écologique, votre gestion sociale, si elle est complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est, je pense qu'il y a une première chose, c'est de l'alignement. Après, concernant les salaires, c'est vrai que j'ai rencontré, là encore, on vient d'embaucher quelqu'un, un urbaniste dans la coopérative d'habitat qu'on vient de créer. C'est une personne qui va baisser son salaire de 20%. Pourquoi ? Parce qu'on a une perspective, effectivement, c'est des logements pour des personnes fragiles, hein, on cherche des logements pour des personnes fragiles, qui a des perspectives d'avenir, des perspectives de donner du sens à ce qu'elle faisait. Donc, le salaire, oui, c'est important. Et je vais juste faire une petite parenthèse qui est en Ségur de la santé. Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Bon. Le secteur associatif, une partie du secteur associatif que je représente ici, les salariés de ce secteur n'ont pas été valorisés par ce Ségur de la santé. On constate quoi? Eh bien, effectivement, non pas une fuite des capitaux, mais une fuite des cerveaux. Et c'est normal. Et c'est normal. Donc là, il y a un vrai scandale. Donc, on agite un petit peu le... plus qu'un petit peu d'ailleurs, mais effectivement le salaire fait partie des valeurs. Et puis si on crée de la valeur ajoutée pour une société, ça doit aussi ça doit être aussi rémunérateur. Je ne parle pas de l'engagement bénévole, c'est autre chose, mais effectivement le salarié le salaire est important, mais n'est plus la première valeur. Hein. Je bien noté. Vous aviez tout à l'heure identifié, Anthony, que dans le domaine de l'agriculture, un des enjeux, c'est le renouvellement. De nouveaux exploitants. Est-ce que le salaire est un frein? Est-ce que le salaire est un frein? Oui, clairement. Alors, parce que c'est pas nouveau. Enfin, je pense que je vous apprends pas que le monde agricole n'est pas forcément très bien rémunéré dans son métier. Mais en fait, c'est pas forcément le salaire en soi, mais c'est finalement le niveau de rémunération par rapport à l'engagement dans le métier. C'est les conditions de travail. C'est les conditions de travail aussi. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une construction du salaire qui va falloir aussi revoir dans le monde agricole, parce qu'on a une part importante du salaire qui est constituée par la PAC, la politique agricole commune. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur certains secteurs, notamment l'élevage bovin-viande, la PAC représente 150% du revenu. C'est-à-dire que non seulement l'agriculteur se paye grâce à la PAC, mais en plus, il maintient son activité en vie grâce à la PAC. Donc aujourd'hui, on va devoir aussi repenser ce système-là. Et comment on rémunère les agriculteurs par rapport à leur activité, par rapport à leur travail. Il y a une partie des agriculteurs qui finalement vont s'orienter sur de la vente directe du circuit court, qui va être plus valorisant et où ils vont aller chercher directement de la valeur. Et donc finalement, leur salaire, il va être fait de cette façon-là. Et c'est eux qui vont aller à la recherche de leur salaire. Mais aujourd'hui, tous les agriculteurs ne pourront pas, et tous les jeunes qui vont venir au métier ne pourront pas aller vendre leurs produits directement même sur le marché, ou aller directement à toquer à la porte de Super U et leur dire hey, « salut, c'est moi, est-ce que tu veux bien vendre mes produits ?» Ça ne va pas marcher. Il y a une partie des agriculteurs, des jeunes qui viennent au métier, qui font ça, mais tout le monde ne pourra pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système finalement où l'agriculture est très intégrée, très accompagnée, et où finalement, l'agriculteur est finalement un maillon de la chaîne et souvent le producteur, mais il y a des gens en amont, des gens en aval qui travaillent avec l'agriculteur et qui finalement approvisionnent et prennent les produits de l'exploitation et vont les mettre sur le marché. Du coup, ces agriculteurs-là qui eux ne mettent pas en marché et qui ne vont pas chercher eux-mêmes la valeur, comment on arrive à les rémunérer? Comment on arrive à mettre en valeur leur travail? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme enjeu. La rémunération des externalités positives, par exemple, des exploitations. On parlait tout à l'heure de captation de carbone. Je pense que ça fait partie des externalités positives des exploitations agricoles qui peuvent être aujourd'hui rémunérées, qui ne le sont pas. Et ça, c'est des enjeux de demain pour pouvoir aussi faire évoluer le métier de l'agriculture et faire en sorte que, finalement, l'acte de production ne soit pas le seul facteur de revenu de l'agriculture.
parce qu'il y a une multitude de facteurs positifs qui sont liés à l'agriculture. On parle souvent des facteurs négatifs de pollution, mais il y a aussi des facteurs positifs et des externalités positives à toute exploitation agricole. Et je pense que c'est aujourd'hui ça qu'il faut arriver à valoriser, à revaloriser, peut-être au travers de la PAC, de la politique agricole commune, mais peut-être au travers aussi de la vente des produits, en intégrant dans le prix de vente des produits une partie rémunération des externalités positives d'exploitation. Comme on met un Nutri-Score sur certains produits, on pourrait mettre un scoring de retour à l'agriculteur en fonction des bonnes pratiques de cet agriculteur. Et aujourd'hui, avec la blockchain, on est totalement capable de faire ce genre de choses. Ah bah merci pour cet exemple très concret, cette piste très, très concrète. Vous vouliez compléter quelque chose, Romain, peut-être dans un... Alors, sur le salaire, il y a quelques directeurs développement durable qui étaient très correctement payés. C'est en général ceux qui étaient communication et développement durable, parce que c'était d'abord communication. Les salaires en communication sont bons. Quand on leur a rajouté développement durable, ils ont gardé leur salaire communication. Le directeur développement durable généraliste, on va dire, c'est moins le cas. Seulement, c'est plus ce que cherchent les entreprises aujourd'hui. Les entreprises, elles vont chercher des experts, des experts de l'énergie, de la biodiversité, qui vont venir aller creuser le sujet à l'intérieur de l'entreprise, comme je le disais, changer les manières de faire, changer les pratiques, changer les process, etc. Cela, il n'y en a pas. Des bons là-dessus, il y en a très, très peu. Et les entreprises se les arrachent. Et donc, cela, leur salaire est en train de monter. On vient donc de traiter la thématique du sens au travail, du salaire. Je vous propose de basculer sur la formation, la connaissance pour forger les convictions finalement. Qu'en est-il à ce jour de la formation à destination des jeunes dans la transition énergétique? Anthony, les filières professionnelles de formation accompagnent-elles le changement à venir? Pas assez vite, en fait. Je pense qu'on a... pas un train de retard, mais allez, peut-être un wagon quand même. En fait, la formation, à mon sens, et là, peut-être je parle un peu de façon trop personnelle, et pas forcément au nom des jeunes agriculteurs, mais à mon sens, n'évolue pas assez vite sur ces questions-là. Moi, quand j'étais en formation agricole, ça fait pas si longtemps que ça, on nous parlait d'écologie, mais on nous parlait des résultats, mais pas des moyens à mettre en œuvre. Et au final, aujourd'hui, je suis convaincu que la politique agricole et la politique en général devraient miser sur des résultats et pas sur des moyens. Mais quand on est en formation, on a besoin de savoir comment mettre en place et comment travailler sur son exploitation pour arriver finalement à cette politique de résultats. Aujourd'hui, la formation n'incite peut-être pas assez les agriculteurs à aller sur autre chose que du bio ou du pas bio. En gros, c'est ça pour la problématique. C'est qu'on a quelque chose qui est très binaire aujourd'hui, et c'est en plus exacerbé par les médias et par tout le débat public autour de l'agriculture. Soit on est bio, on est le gentil, soit on n'est pas bio, on est le méchant. Sauf que 99% de l'agriculture française se situe dans la zone grise qui est entre les deux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 5% des produits qui sont commercialisés sous la bannière bio. Aujourd'hui, l'agriculture bio est en grande souffrance parce qu'il y a une partie des produits qui ne sont plus valorisés. Donc en fait, il faut aller au-delà de ça. Et finalement, qu'est-ce qui compte dans la formation des agriculteurs? C'est de se dire comment... vous allez réussir votre transition agroécologique sur votre exploitation, avec quels moyens, quels outils et pour quels bénéfices. Parce que c'est pas de dire on est bio, on n'est pas bio. Ce qui compte, c'est le résultat. Et finalement, est-ce qu'il vaut mieux dire moi je fais de l'agriculture bio, mais par contre je dégaze du carbone à longueur de journée parce que je ne fais que travailler mes sols? Ou est-ce que finalement je garantis que mes produits sont sans résidus de pesticides? Par contre, je capte du carbone sur mes sols parce que je fais des couverts végétaux. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Donc, en fait, il y a un gros travail au sein de notre formation agricole, en fait, d'enlever ce côté binaire. Et je pense d'ouvrir le champ des possibles et de laisser le choix aux jeunes qui sont en formation, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça la problématique qu'on a, je pense, dans nos centres de formation. C'est que la formation initiale, et je tiens bien... à préciser la formation initiale,
peut-être n'ouvre pas assez le pavillon pour les jeunes. Néanmoins, on a la formation continue qui est là pour accompagner les jeunes et les agriculteurs, et les moins jeunes d'ailleurs, puisque à partir du moment où on a activité, on cotise un fonds de financement de notre formation continue, et qui fonctionne d'ailleurs très bien dans le monde agricole. Il faut le souligner quand les choses fonctionnent bien. Et donc finalement, les agriculteurs peuvent se former tout au long de leur carrière. Et moi, j'ai dans mon précédent mandat donc de président des JIA, j'ai incité énormément les jeunes à se former. Parce que quand on prend le goût de la formation, quand on s'installe, quand on devient agriculteur, quand on prend le goût de la formation et qu'on se forme régulièrement, qu'on consacre une partie de son temps annuel à aller en formation, on garde cette habitude-là. Et on est toujours dans une... Finalement, à la fin de l'année, on va se dire, attends, c'est quoi mon projet ? Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que je veux aller ? Et est-ce que je suis en phase avec mes valeurs ? Est-ce que je suis dans le bon sens ? Est-ce que mon métier, est-ce que finalement, est-ce que ce que j'en retire, est-ce que ça a du sens pour moi ? Et au final, le fait de passer par la case de formation permet de prendre ce recul, de prendre du temps pour réfléchir à son projet, à son entreprise, et finalement se dire, est-ce que je vais dans le bon sens ? Et la formation a vraiment ce côté-là, et je pense que ça fait écho quand je dis ça, parce qu'à la jeune chambre économique, je sais que la formation est ultra importante et que ça fait partie de votre montée en compétences et que c'est un pilier fondamental. Mais sachez que dans notre métier, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, et tout à l'heure, on parlait ce matin avec la ministre déléguée du CV citoyen, et finalement que la formation qu'on a eue n'a plus de valeur parce qu'elle n'avait de valeur que quand on a eu le diplôme. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui compte ? C'est l'évolution. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter. C'est passionnant. Mais voilà, l'idée, c'est que la formation continue, j'y crois énormément, et c'est vraiment sur ça qu'il faut miser. Et finalement, faire évoluer en permanence ces formations-là pour être au plus près des attentes du terrain de façon globale. C'est ça. Et une formation continue pour être en mesure de calculer son impact et de s'adapter aussi au cours de sa vie professionnelle. Et de s'adapter. Ouais, tout à fait. Et en fait, finalement, d'avoir les moyens et les indicateurs, ouais, pour pouvoir s'adapter. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on est formé à être agriculteur et malheureusement, on n'est pas assez formé à être chef d'entreprise. Et on est face aujourd'hui à des structures qui sont de plus en plus conséquentes, avec souvent des associés, de plus en plus des salariés. Et au final, nous, quand on sort de l'école d'agriculture, on est formé à élever des animaux ou à élever des plantes. J'aime bien ce système, élever des plantes, pas que des cultivateurs. Et finalement, on n'est pas éduqué, on n'est pas formé à manager, à gérer une entreprise. Et donc finalement, la formation continue nous apporte ça aussi. Merci beaucoup, Anthony. Marc, vous alliez... Très court. La formation, évidemment, ce n'est pas en tant qu'ancien centre de CJD que j'ai... Si je suis devenu un entrepreneur engagé aujourd'hui, c'est grâce à la formation que j'ai eue au CJD. Donc, ça, je vais commencer par vous dire ça. La formation au niveau de l'UDES, c'est fondamental. On vient de lancer Avenir Solidaire sur la région Pays de la Loire avec un outil qui s'appelle Valores également. Formation, elle porte sur trois thèmes, je ne vais pas tous les décliner, hein, qui est adressé aux entrepreneurs, hein, de l'économie sociale et solidaire. Le premier concerne la marque employeur. C'est-à-dire, dans leur marque employeur, on ne peut pas avoir une marque employeur ESS sans faire de la RSE ou du développement durable. Vous trouvez les vocables que vous voudrez, mais en tout cas, pour nous, ça fait partie des bases du projet d'entreprise, ça a été dit tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est la formation numérique, par exemple. Comment forme-t-on nos salariés au numérique lorsqu'ils ont accompagné des personnes qui sont plutôt proches de l'électronisme que des gigs, hein, donc, et le troisième axe, c'est la création et reprise d'entreprise et développement économique. Donc la formation, pour moi, est essentielle. Je vais prendre un autre bout, si vous me permettez, de l'échelle. Ça date de 15 jours. On vient de faire des job dating dans des associations qui ne trouvaient pas de salariés auprès de personnes qu'on appelle, alors, pudiquement éloignées de l'emploi. Je ne sais pas qui est éloigné, si c'est l'emploi ou si c'est eux, mais effectivement, on leur a formé, ils ont été formés pendant 6 mois, et après, il y a un job derrière. Donc ça aussi, c'est des actions d'employeurs qui sont exemplaires, et on fait bien sûr avec l'écosystème. Et puis, puisque le thème, c'est les transitions, sur la RSE, j'ai formé l'ensemble des salariés et de l'association que j'ai dirigée pendant un certain nombre d'années, tout le monde a été formé à la RSE. Donc la formation, pour moi, était
est essentielle, et la formation, comme l'a dit le collègue, formation tout au long de la vie, bien évidemment. Permet d'embarquer tout le monde aussi. Sylvie, est-ce que vous voulez compléter? Oui, je vais, tout ce qui a été dit, je suis 100% d'accord. Donc actuellement, c'est de la formation continue. Quand certains étudiants ont créé le réveil écologique, donc je ne veux pas dire de bêtises, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, j'en avais reçu 2 à l'époque, j'étais encore en entreprise. ESCP Polytechnique, donc pas des petites écoles, rien du tout. Et donc, ils commencent par m'expliquer que les entreprises n'en font pas assez. Et puis, je leur dis, OK, vous avez raison, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, au cours de votre cursus, dans ces deux écoles, qu'est-ce qu'on vous a dit sur l'écologie, l'environnement, la biodiversité, le changement climatique? Rien. Rien. Dans ces deux écoles-là, il n'y avait rien. Donc, c'est là où c'est quand même assez dramatique, parce que maintenant, ils sont en train de se battre pour que les écoles intègrent dans les cursus communs ces sujets-là, mais que ça veut dire qu'il faut les profs former pour les former eux-mêmes. Et donc, on n'y est pas, hein. Alors, il faut encore attendre le temps que ces postes soient formés, que ces cursus soient mis en place, que ces étudiants deviennent décideurs dans les entreprises pour bouger. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, il va falloir de la formation continue. Et la deuxième chose, c'est dès l'école maternelle. C'est ça aussi, hein, quand on voit que SVT, ça disparaît, etc. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Donc, il faut se battre à tous les niveaux de l'éducation là-dessus. Hein. Allez-y, Romain. Ouais. Est-ce que vous diriez que... Je suis complètement dans le thème. Je parle de ce que je veux. Oui, est-ce que là... Non, est-ce que vous diriez que là... Non, mais j'avais... Vous allez rebondir, très bien. Il n'y a pas de souci. Du coup, ce dont je peux parler, c'est l'accessibilité à la formation. Voilà, depuis le début, enfin, mes interventions, il y a une sorte de quand même fil conducteur sur le décalage qu'il y a entre certaines populations de jeunes, parce que enfin, voilà, j'y reviens, et j'y reviens aussi en dehors de ma vie pro, parce que pour moi, ça va être là le principal problème, c'est comment est-ce qu'on fait embarquer tout le monde, et la justice sociale pour y revenir, c'est ça. C'est des gilets jaunes, on parle de justice sociale. Comment est-ce que vous faites à diminuer le nombre de voitures sur les routes tout en faisant en sorte que ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler puissent continuer de l'utiliser? Comment dans une ville, je sais qu'il y a des élus ici, donc ils y sont confrontés, comment est-ce que vous mettez en place une zone à faible émission en sachant que vous avez 95% des professionnels qui roulent au diesel? Si vous n'avez pas une démarche d'accompagnement pour ça, comment vous allez fonctionner? Quand on sait que les voitures polluent plus après 110 km/h et que vous voulez raccourcir, ça c'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, voilà, vous perdez 20% de temps pour les personnes qui sont dans des milieux plus reculés. Voilà, donc il y a cet éclatement qui se matérialise auprès des jeunes dans le côté de tout ce qui touche à l'accès à la formation. Quelques données là-dessus. Je crois qu'après le Covid, là, il y a 18% des foyers qui sont en situation de pauvreté. Mais en fait, c'est bien pire que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 40% des étudiants qui sont bénéficiaires du CROUS. Donc, ça veut dire que les critères sociaux sont tels qu'ils sont en droit de bénéficier d'une bourse de l'État. C'est donc des personnes qui ont besoin d'aide pour faire leurs études. Et pourtant, en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les études, ça coûte pas cher. La formation ne coûte pas cher. Alors oui, il y a des écoles qui coûtent cher, mais l'université, c'est quelques centaines d'euros. Et pourtant, une année de formation, en moyenne en France, c'est entre 11 et 12 000 euros. Et si je vous dis que le CROUS, eh ben, c'est en moyenne 4 000 euros que vous percevez, on voit qu'il y a quand même un tout petit delta qui fait que vous êtes en difficulté. Si vous voulez que des personnes puissent s'emparer, puissent être dans la situation où ils sont en capacité de dire... Maintenant, moi, je vais faire plier mon entreprise pour qu'elle agisse et j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir répondre et faire ce choix. On a un vrai problème parce que derrière les constats, c'est que vous avez 50% des étudiants qui choisissent leur formation en fonction de leur coût. Ça peut paraître démentiel de dire ça, mais que ce soit l'établissement, que ce soit le type de programme, que ce soit la ville dans laquelle vous allez vous déplacer, si vos parents n'habitent pas là, si vous n'avez pas un job étudiant, si vous n'avez pas un emprunt bancaire, l'emprunt bancaire, c'est 10% des étudiants, mais en fait, quand on prête, on prête aux parents, parce que vous êtes obligé d'avoir une caution. Donc, tous ces éléments-là font qu'il y a un plafond, plutôt il y a un plancher,
Je ne sais pas dans quel sens on se place, mais là, on a un vrai problème de d'embarquer en fait une population qui va rester derrière, qui va pas pouvoir s'emparer en fait de ces questions-là. C'est ça la justice sociale dont on parle, c'est qu'ils vont pas pouvoir donner du sens comme le feraient d'autres. C'est le grand défi effectivement autour de ça. Quoi. Tout à fait. Je pourrais parler des solutions éventuelles, mais on en a pour la journée. Oui, vous en proposez un certain nombre sur la plateforme Wisby pour plus de justice sociale et réduire les inégalités, en tout cas avoir des aides financières pour pouvoir enclencher les choses. J'ai pas dit, oui. Si, pour continuer de faire flipper tout le monde, j'ai pas dit qu'aujourd'hui vous avez une université sur quatre qui déclare être dans de graves difficultés financières. Donc ce qui va se passer demain, c'est que les frais de formation vont continuer d'augmenter. Du coup, la situation ne va pas aller en s'améliorant, elle va aller en s'empirant. Donc voilà, il y a un éveil qui n'est pas là aujourd'hui, je pense, sur ce sujet-là. Mais ça va arriver, ça va être pas mal. Donc la justice sociale, ça démarre dès la formation et dès le plus jeune âge, dès la maternelle. On va vous inviter, si vous le souhaitez, à poser quelques questions à travers ces sujets. L'accès au salaire, le sens au travail, la formation. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance... pas s'il y a des questions, des interrogations. Et sur LinkedIn également, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, un peu plus haut. Merci beaucoup pour la table ronde. En fait, c'était super intéressant et surtout, ça a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets entre l'éducation, l'agriculture, etc. J'avais plusieurs questions. Donc, en fait, à un moment donné, sur l'éducation, vous avez mentionné que... les écoles elles-mêmes, les universités elles-mêmes n'étaient pas forcément prêtes et qu'on est encore à un cycle de retard. C'est-à-dire qu'il faut d'abord préparer les formateurs, les sensibiliser et ensuite arriver à l'étape suivante. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle de l'université, le rôle de l'enseignement standard de faire ça? Ou est-ce qu'on pourrait pas y pallier justement par des structures comme la Jeune Chambre ou l'associatif? Est-ce que ce ne serait pas à lui de se substituer pour la formation à ce niveau-là, sur ces questions-là? Merci. Alors que la Jeune Chambre, d'autres organisations jouent un rôle, et surtout en ce moment, oui, absolument. Mais pour moi, c'est aussi indispensable que d'apprendre l'économie, les mathématiques. On est au même niveau, hein. Et donc ça doit être basique pour tout le monde et partout. N'est-ce pas aussi une mission de service public? Oui, tout à fait. Je vais rebondir parce que quand on parle de justice sociale, je pense que ça veut dire que. Si on fait le choix, ce que tu viens de dire, de mettre un tronc commun finalement dans les lycées, les universités, et de laisser le choix à certains de venir finalement dans des structures comme la Jeune Chambre, comme le CJD, ou d'autres structures associatives, pour aller finalement chercher un peu plus de formation et être plus en phase avec la société. Est-ce que c'est vraiment de la vraie justice sociale? Est-ce qu'on donne les mêmes chances aux mêmes personnes, au même niveau? Et ça, je suis pas sûr. Et donc, finalement, je rebondirais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pense que ça doit être vraiment... ça doit faire partie du tronc commun, tout simplement. Ça doit faire partie du tronc commun, parce que... Et donc, peut-être des fois, il faut un peu secouer le cocotier, quoi. Il faut juste envie de leur dire, « Oh, les gars, réveillez-vous, quoi. Il faut passer à l'étape d'après, maintenant. Il faut y aller, quoi. » Alors, je sais pas comment il faut faire, hein. J'ai pas les solutions, enfin, je les ai pas toutes. En tant que syndicaliste, j'en avais quelques-unes à l'époque, mais c'était peut-être pas toutes louables. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de faire avancer les choses. Mais je pense vraiment qu'il faut vraiment avancer sur ces sujets de la formation et faire en sorte que nos formateurs aient pas un train de retard, mais plutôt un train d'avance, quoi. Mais vous voulez compléter? D'ailleurs, le secteur de la formation est un secteur qui emploie beaucoup, y compris des jeunes. Hein, donc, pour revenir sur effectivement l'université, il y a des socles quand même qui doivent être, on va dire, républicains. Et j'approuve là ce qui a été dit. Mais il y a peut-être, même si ça a beaucoup changé hein, depuis, moi je suis sorti de l'université, je vais pas vous dire quand, mais il y a quelques années, il y a quand même des liens qui doivent se faire avec le monde de l'emploi, y compris parmi les enseignants.
Hein, donc là, il y a une porosité à accélérer, et ça, c'est aussi à vous de le faire. Hein, c'est à nous de le faire, mais c'est à vous de le faire. Il y a des contrats comme les CIFRE, je crois que c'est à peine connu, hein, c'est des contrats de doctorants qui viennent faire, qui ont un contrat de travail dans une entreprise. Il y a tout ce qui se développe sur l'apprentissage. Et je pense que la porosité entre des savoirs, on va dire, académiques et des savoirs que l'on met en place dans sa profession, ben c'est cette porosité-là qui est encore développée. Je ne sais pas qui a évoqué l'Allemagne tout à l'heure, on cite souvent l'Allemagne comme si c'était meilleur que nous, mais il y a cette porosité qui n'existe pas suffisamment, puisque vous savez bien tous dans cette salle le boulot que vous allez faire demain. Dans 15 ans, il n'existera plus, quoi. Donc, il est fait, d'où l'intérêt de la formation. Est-ce que nous avons une autre question ? Oui, j'ai plutôt une remarque, un complément par rapport à la question qui a été posée et tous les échanges que vous venez d'avoir. Donc, quelque chose de très intéressant, et je vous donne l'information également que la Jeune Chambre économique française a été sollicitée par le ministère de l'Éducation pour participer à un rapport, donc pour entreprendre sa vie de manière générale. Et on a été sollicité pour imaginer à horizon 2030, horizon 2050, comment justement ces problématiques, on peut les mettre sur la table et se dire concrètement qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et du coup, ce que tu dis, Anthony, c'est hyper intéressant quand tu dis que ça doit faire partie du socle commun. C'est typiquement le débat qu'il y a eu, c'est grosso modo, est-ce qu'il ne faut pas revoir toute la moulure de l'éducation, le système d'éducation. Et nous, ce qu'on fait à la Jeune Chambre économique, apporter ce complément dès le plus jeune âge, parce qu'il y a aussi un débat pour vous dire un peu les échanges qu'on a eus. Est-ce qu'on commence à l'âge de 15 ans ou alors non? Est-ce qu'on commence directement à l'âge de 5 ans? Et en fait, c'est ça, c'est dire que l'engagement, le fait de pouvoir entreprendre pour sa vie, entreprendre pour son futur, il faut que ça commence dès le plus jeune âge. Et donc, c'est la proposition avec Maud que nous avons fait au ministère, c'est l'engagement, ça commence dès le plus jeune âge. Et quand on parle d'engagement au sens large. Et c'est vraiment entreprendre pour sa vie et pas forcément que dans l'entrepreneuriat. Et ça va être de l'entrepreneuriat, d'autres sujets, des sujets qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui en 2021, mais qui vont sortir du chapeau peut-être en 2030. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? C'est bon. Merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit et aussi ce que Diarra a répondu. En fait, ma réflexion, c'était pas forcément de dire que c'est le rôle des associations de faire ça et pas de l'université, mais qu'en fait, c'est de plutôt se baser sur l'expertise que certaines structures ont déjà, plutôt que d'essayer de réinventer la roue. Donc, par exemple, là, pour la Jeune Chambre, on peut très bien imaginer intervenir dans les universités. Éventuellement, ça peut être sous prestation ou sous subvention ou dans un certain format. Mais le passage par l'action doit se faire avec des structures qui maîtrisent le sujet et pas par des universitaires. Il faut qu'on mette la main à la pâte. Et c'est un peu ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut le financer. Et est-ce que c'est de la délégation de mission ? Est-ce que c'est comment on le finance et qui le finance ? Est-ce que c'est de la levée d'impôts qui va financer ça? Voilà. Mais oui, c'est une autre façon de voir les choses, mais il faut le financer. Et le levier du secteur associatif est un excellent allié, mais bien sûr. Juste, alors pour rebondir sur ce qu'a dit votre présidente tout à l'heure, il y a une association ligérienne qui s'appelle Entreprendre pour apprendre et qui fonctionne avec des lycéens et des étudiants, quel que soit leur âge, et qui fait des choses extraordinaires. Et puis, je vais plus aller dire autre chose, mais sur je vais reparler du CJD. Mais peut-être vous avez ça dans vos actions. On allait effectivement à la rencontre des lycéens. On avait une formation de 3 heures, et puis on allait leur raconter ce qu'était l'entreprise. Donc, on était plutôt écoutés, parce que c'était leur prof était nous écoutait aussi. Ils apprenaient un certain nombre de choses. Effectivement, on a l'occasion de rencontrer ce public dans des actions locales. Oui. Il y a un besoin de transmission. Ouais. C'est ce que disait Sylvie en début d'intervention. Je crois qu'on a une question à la gauche de l'Assemblée. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Anne-Sophie Hoquet, directrice de cabinet du président de l'Université d'Angers. Donc comme on a beaucoup entendu parler depuis quelques minutes des universités, je voudrais apporter un petit éclairage, dire que je suis satisfaite d'entendre que effectivement il y a une vraie volonté de la part des acteurs socio-économiques de pouvoir compter
sur les universités dans ce cadre-là, parce que c'est une réalité. Je voulais également bien affirmer, réaffirmer que nous sommes absolument conscients en France des enjeux et des défis qui sont les nôtres aujourd'hui pour former une grande partie maintenant de la jeunesse qui accède à l'enseignement supérieur et la recherche. Environ 60 à 70% quand même de la jeunesse de ce pays. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Oui, aujourd'hui, le ministère, en fait, le MESRI est absolument convaincu de cela et nous enjoint à mettre en place des cursus de formation pour dans nos universités sur les enjeux, les objectifs de développement durable et les enjeux des transitions, de toutes les transitions. C'est une vraie réalité aujourd'hui. Je suis d'accord pour dire que ça va prendre un petit peu de temps. Par contre, je m'inscris en faux sur le fait que les expertises ne sont pas déjà là. Elles sont déjà là dans la plupart de nos formations. On est une université pluridisciplinaire avec beaucoup d'expertise. On forme de plus en plus de jeunes. Je vous entendais parler des chiffres. Il y a de plus en plus de thèses chiffres. Il y a aussi un vrai développement dans ce domaine-là. Et on a de plus en plus de liens avec les acteurs socio-économiques. Pas encore suffisamment, mais c'est la raison pour laquelle on est là tous les deux. Laurent Bordet, vice-président Vidécampus, qui est chargé justement de la vie étudiante, et moi-même, directrice de cabinet du président, parce qu'on sait très bien que l'objectif aujourd'hui, il est absolument d'écouter les acteurs socio-économiques de façon à ce que les jeunes que l'on accueille en très grand nombre puissent derrière être les entrepreneurs de demain. C'est une réalité aussi. Et puis, je suis très heureuse aussi d'avoir entendu ce que vous avez dit sur la formation continue, parce qu'on est absolument aussi convaincu que dans les années à venir, en fait, il ne s'agit pas forcément d'amener tous les étudiants à un bac plus 5, voire à un doctorat immédiatement, mais bien de leur permettre de faire des allers-retours entre la formation initiale et la formation continue. Et là, bien entendu, on a besoin de tous les acteurs de cette formation continue. Donc, bien sûr, la jeune chambre économique, la chambre économique. Voilà, on développe de plus en plus de liens. Et je vous invite tous, entrepreneurs que vous êtes ici, à venir à notre soirée des 50 ans, puisque l'Université d'Angers fête ses 50 ans le 23 novembre, là, au Centre des Congrès, ici, où justement l'objectif, c'est d'organiser une soirée partenaire, acteurs socio-économiques, alumni, puisque je ne peux pas vous dire le nombre précis de jeunes que l'on a diplômés depuis 50 ans, mais je peux vous... Mais c'est, oui, alors mon collègue me souffle la réponse, 250 000 diplômés de l'Université d'Angers depuis 50 ans. Voilà, donc merci à vous et merci pour ce discours que j'entends, mais sur lequel je voudrais quand même bien insister. On est déjà extrêmement conscients de ça, on le prend en charge, même si effectivement ça ne va pas être demain, parce qu'on n'a pas de baguette magique. Merci. Merci madame pour cet apport d'informations. Est-ce qu'il nous reste une dernière question? Oui, ce sera la dernière en revanche. Oui, bonjour. Moi, je vais me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'importance de la formation continue, ayant moi-même pu en bénéficier. Donc, l'expérience que ça apporte, c'est juste incroyable. Néanmoins, c'est d'autant plus flagrant avec le plan de relance qui a eu lieu, là, le dernier, qui est toujours en cours, c'est l'après. L'après-formation continue, on arrive à un moment où, aujourd'hui, on encourage l'alternance, mais l'après, le premier emploi n'a plus d'ouverture. Combien d'offres d'emploi, quand j'ai cherché un travail, j'ai vu disparaître parce que le plan de relance mettait de l'offre, enfin des aides qui rendaient en fait l'alternance quasiment gratuite. Du coup, les grandes entreprises ne cherchaient plus à embaucher un jeune qui sortait de l'école, mais préféraient utiliser l'alternance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça et comment est-ce que vous voyez le futur pour justement permettre cet accompagnement et cette intégration, puisqu'aujourd'hui, on voit même des offres fleurir. J'en ai vu encore il n'y a pas très longtemps où il y a bien marqué expérience, offre hors stage et alternance. Ça signifie qu'il n'y a plus de... Sur le moment, c'est bien, mais qu'y a-t-il après ? Romain, vous vouliez rebondir par rapport à cela ? Oui. Alors, nous, on a une relation un peu... du coup, je vais essayer d'être un maximum objectif dans ma réponse, parce qu'on a une relation assez proche avec le plan de relance, vu qu'on est concepteur et on maintient la plateforme unjeunesolution.gouv.fr. Donc, on est la vitrine du plan de relance, on va dire, côté jeune. Mais du coup, c'était plus un feedback d'entrepreneur que je voulais donner. Je pense qu'effectivement, on peut... Nous, on a bénéficié de
plein d'aides, bien entendu. On ne s'en est pas passé. Il y en avait certes pour l'alternance, parce que c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Il y en avait aussi pour l'emploi de manière générale. Et je tiens juste à nuancer un point, c'est que une entreprise ne change pas une offre en CDI, en temps plein, en alternance, comme ça, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes compétences, les jobs s'y prêtent pas forcément de la même façon. C'est plus, en toute honnêteté, c'est plus galère de gérer un alternant que de gérer un temps plein. Donc, je pense que faut faire attention peut-être à ce raccourci-là. Après, voilà, j'entends parfaitement ce qui est dit, et effectivement, il y a quand même un petit gap venez. Venez avec vos 3-5 ans d'expérience pour 25 000 euros. Enfin voilà, je l'entends bien. Je voulais juste nuancer ce petit point. Marc, on vous laisse conclure en moins d'une minute. Ouais, deux secondes. Effectivement, mais je pense que ce que vous décrivez, puisque vous l'avez vécu, n'est pas un cas isolé. Hein, c'est clair qu'il y a eu des effets comme vous venez de le décrire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est il y a 6 mois, tout le monde pensait que la croissance économique allait être en berne et que les taux de chômage allaient augmenter. Aujourd'hui, dans cette région, Pays de la Loire, on doit être à 6% de chômeurs. Des bassins d'emploi en Mayenne, dans certains territoires de la Vendée, sont à des taux de chômage inférieurs à 4%. Aujourd'hui, la difficulté de bon nombre d'employeurs, c'est de trouver des salariés. Donc, j'ose espérer que cette conjoncture qui se retourne permettra d'avoir un autre discours, je l'espère, hein, puisque dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci à tous, très sincèrement. Merci tout d'abord pour la qualité de vos interventions, bien évidemment, mais aussi pour la préparation que ça a demandé de vous proposer cette table ronde. Ça a été du temps et de l'énergie. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Un grand merci également à Maud Leroy, qui nous coordinatrice de projet à la Jeune Chambre économique française et qui nous a accompagnés dans toutes les étapes de la réalisation de cette table ronde. On peut retenir quelques idées de cette table ronde. On a vu tout d'abord qu'il existe des solutions pour que les jeunes puissent s'engager pleinement dans la transition écologique. Je ne vais pas les redévelopper. On a vu aussi que des efforts sont attendus de la part à la fois des entreprises et des institutions pour leur permettre justement de pouvoir équilibrer les aspirations personnelles et puis l'impératif écologique. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et qui avez participé, rendu vivante encore plus cette table ronde par vos interventions et par vos questions. Peut-être qu'une des phrases là que je vais retenir de notre échange, entre autres, c'est que où que l'on est, on peut faire la différence. Il me semble que c'est particulièrement important. Et puis, on est plusieurs autour de cette table. Là, Thomas peut en témoigner, d'autres aussi, Romain, Sylvie. Il y a un endroit où on peut faire particulièrement la différence, c'est au sein de la Jeune Chambre économique française. Merci à tous. Merci à vous et merci pour cette seconde table ronde tout aussi riche en échanges et en idées. J'espère que vous tous sur les réseaux sociaux qui nous avez suivis et ici dans la salle ressortez nourris pour vos prochains projets pour faire changer le monde dans la transition écologique et la transition sociétale évidemment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn et à très bientôt. Merci à tous.